Là, Naioga. t'es où là? Du coup, t'es sur la E17? Bah, je suis sur la E40, non? Ouais, Ah, t'es c'est sur la ça. E40. J'ai juste dépassé un peu la sortie. Bon, c'est pas très grave, ça, ma foi. Alors, Désolé, qu'est-ce les qu'on gars, fait? ils On re... prend. Ben là, moi, je te dis. Putain, Jason, à chaque fois que je dis que je crash, tu comprends ou pas qu'il faut que je relance le live quand tu dis qu'est-ce qu'on fait? Ben, attends! Non, mais c'était pour après. On prend le ferry ou le train après? Mais non, mais on prend le ferry. Enfin, je sais pas, on verra. Moi, bon, Parce que du coup, le ferry, j'ai sinon, mis il faut aller Calais, je pour crois. Calais. J'ai mis Calais, moi. Ah Mais je vous l'ai bon, dit. on C'est va pour ça qu'à faire la une. base, je voulais vous montrer la route, hein. Il a coupé sur. Bah ouais, il a coupé. On est vraiment marre aujourd'hui, ça me gonfle. Nous adorons ton mépris, on n'a qu'un problème avec toi, mis à part que tu répètes mot pour mot les termes des médias sans réfléchir. Tu sais, on est vacciné, connard, alors arrête de répéter de la merde. Ouh, t'as du ping, toi, mon gars, hein? Oh, le con. Waouh, il y en a un qui T'as a une heure un et demie de retard, ping là. frérot, ouais? Un peu un retard, frérot. Oh, mais s'il attend de retard, il verrait peut-être même pas ton message et qu'il sera déjà parti. Il doit se dire, putain, il répond pas, quoi. Salut Black Pearl. Dans une lâche. Désolé, le live il a crash, les amis. Je reconfigure tout et on repart. Désolé. Ce soir, c'est la fête, là. Bon, t'en penses quoi, Rémi, sur mon PC? Je fais quoi, là, sur le PC stream? Je fais un scan? J'essaie de faire un scan, mais... Pense qu'il faut que je Je suis pas réinstalle sûr le de la PC, là. conclusion du contrat. Je pense qu'il faut que je réinstalle le PC. Mais je sais pas si ça se trouve, t'as une appli aussi qui traîne derrière et... Bah, y a rien sur ce PC. Que tu vois pas. Rien du tout. Et j'ai mis le moins de trucs possible. Euro Truck Simulator 2. Je me dépêche, les guys. Désolé. Désolé, désolé. On fait vite. Aïe, 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 On fait vite. C'est très très chiant les ces crashs là. problèmes de live, quoi. Les problèmes du direct. Pas pourquoi j'ai eu Les deux aléas crashs directs. de co aujourd'hui. C'est vraiment. Je sais pas pourquoi. C'est OBS, il fait de la merde. Hop. YouTube, c'est bon. J'occupe de Facebook et on est parti. Nous adorons ton mépris. EPS, c'est faute d'orthographe et pour des diplômes, sache que je suis ingénieur et je t'emmerde avec tes clichés de merde. Alors, t'es ingénieur. Il a du T'es retard. Hein. ingénieur et t'es aussi fermé d'esprit. Oh là. Bah dis donc, la gueule de l'ingénieur. Hein. Et sache que Pas divers, quoi. avancer un diplôme ou un statut n'est absolument. Ça n'est gage de rien du tout. Hein. C'est pas parce que tu es ingénieur que tu auras plus de crédibilité que n'importe qui. Et ça va bien et toi, Black Pearl? Ça me Attends, tue mais tu te les gens contredis, qui a... frérot. ça me tend les... ça me tue les gens qui avancent leur diplôme ou leur diplôme en fait. Genre ouais, je suis ingénieur ou je suis médecin. C'est ce qu'on appelle un argument d'autorité. C'est un biais Écoute, cognitif hein, Théo, d'ailleurs. Hein. Donc j'ai le bac, oui voilà. donc. Absolument pas, mes 2 ans à supporter ça, c'est chiant. Mais tu crois que c'est chiant que pour toi, mec? Tu crois qu'il y a que toi qui souffres du Covid? Tu crois pas que moi, Jason et Rémi, on en a pas plein le cul du Covid? Je sais pas, réfléchis un peu, gros. Tu crois vraiment qu'on se fait vacciner, on y va en mode ouais, trop bien, on se fait vacciner aujourd'hui. Trop cool. Je sais pas, les gaffes, je sais pas, genre. Ah, Ça me moi je tue suis à comme quel point ça, hein. Je vais me vous faire êtes un peu vacciner, neuneux, je suis quoi. souriant et tout. J'arrive devant le centre de vaccination, je fais un petit TikTok, tu vois. Ouais, Mais je si, vais alors plus pouvoir utiliser mon bras gauche pendant 2 jours, j'adore. Mais Alors mec, ça, mais. moi j'ai Mais jamais eu de attends. problème. Hein. Alors, Franchement, pas de soucis, bah j'ai alors jamais eu arrête mal, de perso. dire que la plupart des gilets jaunes n'ont pas le bac. Bah, mec, la plupart des lanceurs d'alerte, comme ils s'appellent là, des gilets jaunes qui font des vidéos sur internet full complotistes, tu m'excuseras si c'est des gens qui ont le bac,
C'était grave. Et j'ai pas dit ça d'un ton méprisant. J'ai juste voulu souligner le fait que les gens qui sont pas éduqués ont un esprit critique extrêmement fermé et ils avalent des théories qui sont absolument fumeuses. Voilà, on a des gens qui créent des fusées après pour prouver que la Terre est pas plate et ils se tuent, tu vois, par exemple, ce genre de gens. Je sais pas si vous l'aviez vu ça d'ailleurs, les gars. Bon, y a plus de problème. Bon, bah, bon, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle, hein, aussi, hein. Après, il a vu que la Terre était bien ronde. Ouais, ouais, bah il est mort, ouais, après, ouais, c'est dommage. Ouais, coup, c'est quoi ton accent? Il a plus sur que... Bah, je viens du sud, Thierry. Tu veux que je vienne d'où, malheureux? Il est con. Bientôt au péage, Théo, ou t'es encore avec Jason, tu permets, je suis en train de terminer. Putain, t'es insupportable, Jason, vraiment. Et je sais pas où tu es. Mais je te l'aurais dit si c'était bon. Tu crois que ça m'emmerde pas aussi là de devoir arrêter de jouer Les amis, je relance. Je termine juste de tout relancer et on repart. Excusez-moi. Accent de Perpignan et non de Toulouse. Au sud, le printemps, automne, l'été. C'est la Carcassonne. Hey, bien Dieu. Yeah. Le cassoulet. À tous les fétichistes là, vous pouvez voir mes pieds sur les pédales. Hein. Attends, t'as enlevé les petit QR code, petit pouce bleu de Bilou. J'ai rien compris, mec, mais tu as l'air très gentil. Merci. Il faut dire merci. J'ai rien compris. Ça me tue les gens comme ça. J'ai rien compris, mais t'as l'air super mignon. Les gens dans ces manifs ne sont pas des fumeurs de gitanes bof et râleurs. J'en ai vu qui devraient aller sur la place et ensuite dire ce que tu penses. Jean-Michel. Tous les bofs ne fument pas des gitanes. Je suis exactement. Désolé. Et Jean-Michel, ingénieur, sache qu'au début du Covid, au début des gilets jaunes, moi et ma mère, on emmenait des crêpes et du café tous les jours. Tous les matins, on leur amenait des choses. D'accord. Et quand on s'est rendu compte que les gens se faisaient la guéguerre entre eux au sein même des gilets jaunes, c'est bon, on a dit c'est bon, la cour d'écrit, on arrête là. Faut grandir un peu. Donc non, je suis désolé, les gilets jaunes, c'était un mouvement qui était super bien, c'était vachement légitime et je pense que moi, Rémi et Jason, on est tous d'accord là-dessus. C'est devenu le ramassis de tous les cassos de France. Voilà, désolé, c'est cash, mais c'est franc, c'est mon avis. T'es pas d'accord avec, tu dois. Alors, je suis désolé, je respecte ton avis. Il y en a encore qui sont dans oui le truc de la base. Bien entendu, mais c'est Rémi. Vrai que globalement, ça renvoie une image de trou du cul. On est d'accord. Ah non, mais attention, je fais une généralité, ce qu'il ne faut jamais faire, hein, normalement. Hein. Mais je suis désolé. Je suis là, Jason, je prends le relais. Rémi, ouais, t'es où? C'est bon, t'es pas très loin? Je suis sur une petite aire d'autoroute sur la E40, je vous attends. Ok. Bon bah super, on arrive. C'est gentil, bravo à toi, mais ce serait bien un peu de soutien sur ce nouveau mouvement. Ah non, je ne soutiendrai pas ces gens, c'est hors de question. Je suis désolé, je ne soutiendrai pas des gens qui sont pour la plupart des complotistes et qui ont aucun esprit critique. Ils font preuve d'une naïveté. Ils font... Les gens, les gilets jaunes, ils sont là en mode « Ouais, nous on n'est pas des moutons, on gobe pas ce que dit le gouvernement ». Par contre, ils gobent des pseudo lanceurs d'alerte qui balancent des théories du complot fumeuses sur Facebook. Excuse-moi en fait, mais les gars, honnêtement, qu'est-ce qui est pire quoi? Qu'est-ce qui est pire, franchement? Donc, et puis ça m'étonne, tu vois. Je sais pas, écoute, ils font ce qu'ils veulent les gens, mais j'ai vu des manœuvres que peu de gens connaissent. Attends, sache que j'ai un truc, j'étais cadre LREM et j'avais... Oui, mais toujours plus. T'as été président aussi, non? Donc t'as été cadre LREM, donc t'as voté Macron. Bah bien mec, c'est bien. T'as voté Macron et ça me termine. Hein. Les mecs, ils se plaignent. Ils sont gilets jaunes, mais ils ont voté Macron. Alors que ça se voyait très bien. Hein. Non mais c'est terrible en fait les gars. Mais Macron, non mais Macron, il a toujours joué la carte de je m'entends avec tout le monde, j'adore tout le monde. T'sais. Alors déjà ça c'est pas bon. Hein. On discute en privé si tu veux. Non, si tu veux discuter, tu discutes ici. J'ai pas besoin de discuter en privé.
Moi, mes idées, je sais que les gens te disent oui, il faut pas dire pour qui tu votes, ça peut te tomber dessus et tout. Moi, je m'en branle. Je m'en branle et je suis cash. Il y en a qui vont dire ouais, ah ouais, mec. T'as voté pour qui la dernière fois Le président. Ah oui, on voit bien. Comment ça, t'étais mineur? J'avais voté aux européennes, moi. J'ai voté aux européennes. J'avais voté la France insoumise aux européennes. J'ai toujours dit que je votais à la France insoumise. Je donne ma voix à la France insoumise. J'y crois. Si jamais la France insoumise passe et qu'elle fait de la merde, je reconnaîtrai mon erreur et je ne voterai plus. Voilà. Moi, je suis pas fan des idées de la France. J'ai voté Macron en 2017. J'y ai cru, j'avais 18 ans. Je me suis fait niquer. Et bah, si tu t'es fait niquer, tu devrais éviter maintenant. Bah, attends, mec, t'as voté pour lui. Donc, t'as fait une connerie. Bah, je sais pas, tu fermes ta gueule du coup. Enfin, tu viens pas gueuler, ouais Macron, t'es un connard. Bah, t'as voté pour lui, frérot. Donc, je sais pas, les gars. Enfin, vous pouvez pas. C'est comme si demain, enfin, je sais pas comment expliquer, mais tu vas faire quelque chose et t'en plaindre après. Macron, c'était cramé. Il était trop beau. Le mec, il est monté en 6 mois, il a monté un parti. Excuse-moi, mais il y avait des meetings, il y avait des chaînes de télé qui venaient demander aux gens pourquoi vous votez Macron. Il y avait des meufs qui disaient ah, parce qu'il est beau. Waouh, c'est bien, on avance, hein. France, c'est... Non, mais il y a eu ça, hein. C'est pas des blagues, hein. Après, il y en a qui vont dire, ouais, mec, t'as 21 ans, tu connais pas la vie, t'es méprisant. Ben non, c'est juste que moi, j'ai une opinion que je pense on est plusieurs à partager. Autant on peut avoir des divergences, moi, Jason et Rémi, sur nos idées politiques, mais autant on est quand même d'accord sur le fond, quoi. Donc, personnellement, je me suis dit, oh, Macron a été élu. Bon, c'est un président jeune, peut-être qu'il y aura des nouveaux trucs assez sympas. Ben non, en fait. Après, on était obligé de voter Macron. On était obligé de voter Macron contre Le Pen. Ça, c'est ça, là-dessus, on est d'accord. Ceux qui ont voté Macron au deuxième tour, bah, c'était par dépit. C'est une obligation. C'était par dépit, voilà. Ouais, et ça fait ouais, des. Bah c'est bien ça fait le problème. Ça fait 20 ans qu'on vote par dépit, tout le temps. On vote tout le temps par dépit. De toute façon, Le Pen ne passera jamais. Donc, oui, c'est ça. Salut Senku. Attends, j'avais pas ça quand même, hein, des fois. Désolé Black Pearl, je t'ai un peu skippé. Oui, je crois pas que Xarox allait choper son. Oh, on arrive en France. Je crois pas que Xarox allait choper son Pokémon Shiny. Attends, rien à voir, tu prends les gens pour des débiles. Ouais. Je prends les gens pour des débiles, mais. Bah oui, parce qu'il y a une partie des gens qui sont débiles. La société est de plus en plus bête. L'esprit critique et la culture réduit, en fait, se réduit avec le temps. Tu m'excuseras, mais je n'ai jamais vu des gens sur... Non, mais les gars, Facebook, c'est une pépite. Sérieusement. Je sais pas, j'y vais pas. Il y a sur des Facebook. Trucs incroyables. Non, mais moi, je vais pas sur Facebook. Je suis des Twitter avec des screens de mais Facebook. Oui, voilà, c'est, moi aussi. Il y a des vidéos, Rémi, on est d'accord, c'est goldé. C'est une pépite. C'est vraiment là, incroyable. J'abandonne... Attends. Salut Black, j'avais pas vu, sorry, j'ai abandonné MDR. C'est quoi ce jeu? C'est ETS Senku. D'ailleurs, merci à vous les amis d'être là. Finalement, le live Alors, a bien ETS, fait de crash. Euro Truck Simulator 2. Oui, Euro Truck Simulator 2, c'est un jeu de simulation de camion. Là, on est en convoi d'entreprise, la PAFA Corporation. Nous avons Rémi, le gestionnaire logistique. Jason, le gestionnaire café et papier. Et moi, le patron. Super. Je peux pas être le garde des sceaux ou un truc comme ça. Garde des sceaux de l'entreprise. Garde des sceaux. Ministre de l'Intérieur de l'entreprise. Après, Par contre, Jason, tu devrais me laisser. Ah non, c'est Rémi, d'accord. Rémi, t'as le même itinéraire que moi ou pas? Bah, je crois. De toute façon, t'as pris par Calais. Après, peut-être que t'as fait des trucs dans le. Ouais. Je te laisserai peut-être, passer. Peut-être, ouais. Ouais, ouais. Mais je suis même pas sûr. Par contre, attention au Royaume-Uni. On conduit. Les chaussettes sont des pépites. Bah, sache une chose, là j'ai pas mis les bonnes chaussettes. D'habitude, je mets les chaussettes vertes avec des palmiers dessus. Tout le monde les adore. Ouais, c'est vrai que je me suis fait une petite passe dans la communauté des fétichistes. Ouais, c'est vrai. Papa Delcraft, connu pour du ETS, mais finalement, ouais, il est repéré par ses pieds. Le moment où tu seras sur Wikifit, t'auras de la crédibilité. Ok. Alors attendez. Allez. Pour quelle raison, d'une année à l'autre, les gens deviendraient bêtes? Est-ce que la manière dont t'as présenté ces mêmes personnes sur les réseaux... Mais c'est pas d'une année à l'autre, ça fait des années que les gens s'abrutissent. Et le problème, c'est que les gens prennent Facebook comme un lieu d'information crédible et sourcé. Ce n'est pas sourcé. C'est Jean-Michel Pinard qui vient sortir sa théorie fumeuse qui n'existe pas, en fait.
qu'il a inventé le toute pièce. Rappelez-vous à l'époque, ouais, le Macron et le gouvernement étaient au courant que le vaccin existait, que le Covid existait depuis des années. Le mec en fait avait fait une erreur de l'Institut Pasteur qui avait fait des études sur le coronavirus. Le corona est une famille de virus. De virus. C'est tout. Ouais. Donc non, moi si je veux veut pas des vraies informations vérifiées, faut aller sur TF1. Non mais si vous voulez des informations, vous allez sur Google, vous allez sur Google Scholar. Vous avez des preuves scientifiques, des papiers scientifiques qui sont revus par les pairs. Ça apporte une crédibilité et un sérieux. Oh putain, là, ouais, ça tourne là. Bah je veux bien mais j'ai pas encore le online. Qu'est-ce que t'as fait que les gens sont passés d'intelligent à bête alors? Mais putain, mais tu fais exprès ou pas mec? Toi t'es ingénieur à 18. Ah oui d'ailleurs il a dit en 2007 j'avais 18 ans. Donc on est en 2017, 2018. Ça fait 5 ans. Ouais ça va, ok. Non, bah, j'ai cru qu'il avait 18 ans, j'allais dire. Il est techniquement ingénieur. Il peut être technique. On est sûr de rien, mais il peut. Bon admettons, partons du principe que tu es de bon sens. T'es ingénieur et tu t'arrives pas à comprendre que les réseaux sociaux sont une source d'information qui abrutissent les gens. En tout cas, quand c'est mal utilisé. Je prends la tranche des quarantenaires 40-50 ans. La plupart des gilets jaunes hein, d'ailleurs hein. C'est la majorité des gens. Ces gens s'abrutissent avec des réseaux sociaux. Ils font des vidéos, ils sont lanceurs d'alerte. Et lanceurs d'alerte de rien du tout. C'est prouvé par rien du tout. Très bonne source d'information Google Scholar. Mais on n'a pas les mêmes conclusions sur ces données. Bah mec, excuse-moi, les données, elles ont été très claires. Hein. Et la preuve, t'en as la preuve actuellement, je pense qu'on arrive à la fin du Covid. Donc il y en a qui vont dire, ah oui, mais non, c'est le virus qui a muté. S'il y en a qui n'arrivent pas à comprendre que le vaccin a eu un certain impact là-dessus. Et moi, je suis pas médecin. Et là, je parle dans le vent. Comme j'ai dit tout à l'heure, un argument avancé sans preuve peut être réfuté sans preuve. Donc si on voudrait vraiment débattre, il faudra apporter des preuves. Et les preuves, c'est Google Scholar. Je pense que c'est... Je suis chômeur, t'inquiète Senku. RPZ chômeur. Chômeur FC. Non, pas FC. Les gars, vous l'avez pris la caméra là ici? Ouais. J'avais déjà prise moi. Je suis d'accord avec toi, mais il n'y a pas que des gens comme tu décris. Mais est-ce que j'ai dit qu'il y avait 100% de gens débiles? Mec, t'es ingénieur, t'es sûr? Je sais pas, mec. Il me semble quand même que les gens qui font des études, ils ont quand même. Une ouverture d'esprit, une compréhension des choses. Est-ce qu'à un moment, j'ai dit « tout le monde est débile » ? J'ai jamais dit ça. Hein. J'ai dit que la société s'abrutissait avec le temps. Et je pense que je fais partie des gens qui malheureusement s'abrutissent sur certaines choses, c'est vrai. Il faut le reconnaître. Si je prétendais avoir la science infuse et avoir raison sur tout, je serais pas crédible. Mais voilà, après, si toi t'es persuadé que tous les gens sont des bons samaritains qui sont tous intelligents et qui ont tous raison, eh ben allons-y. Tout est fumeux, tout le monde ment, c'est du complot, on est dirigé par les Illuminati et c'est les francs-maçons qui gèrent le monde. Wesh, collègue, salut le Corse! C'est moi, Rémi, j'arrive. Non, justement, je cherche Kranidos pour évoluer ensuite en Charcos. Putain, tu l'as pas trouvé, Zarok, c'est toujours ton Kranidos? Oui, c'est vrai que tu t'en parlais hier. On fera peut-être un peu de Pokémon après, on verra. Non, je ne parlais pas du mouvement actuel avec des théories complotistes abusées. Bah mec, les gilets jaunes, c'est ça en fait. Hein. Je sais pas, les gars, on est d'accord, base, non c'est... Non, mais, ouais, non, mais oui, je parle de maintenant, Rémi, bien entendu. À la base, non. À la base, mais moi, j'adhérais à ce mouvement. À gauche. Rendu à gauche, on est au Royaume-Uni. Hop, hop. Moi je vote Zemmour. Eh ben écoute, grand bien t'en fasse. Mais je ne partage pas ses idées. Je suis pas sûr que ce soit lui qui va tout résoudre. Boutade, ah ça va, tu boutades. Ça va. Mais pour voter Zemmour, faut vraiment être au fond du gouffre. Hein. Vous avez vu que des gens qui supportent Zemmour, il y a des journalistes qui sont venus. Les journalistes se sont fait cracher à la gueule hein, quand même. Hein. Ça, vous trouvez ça normal dans une démocratie, franchement? Les journalistes, pareil, les journalistes de bah, quotidien qui voulaient aller. Comme tu supportes Zemmour, moi je trouve ça normal du coup. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai. Logique. C'est vrai que Zemmour va instaurer. Ce sont ceux qui montent dans les médias. Mais non, je te crois pas, LCS Durant. Tu n'as aucune preuve et tu n'as aucune crédibilité à mes yeux en fait.
tu es une personne. Je partage pas les mêmes idées que toi, donc j'ai aucun intérêt de te croire. J'entends ce que tu dis, je respecte ton point de vue, mais je ne te crois pas. Et je ne suis pas de cet avis-là. Et je sais très bien que les médias ne montrent pas. Désolé, je passe la sixième. Ne montrent pas la vérité et ne montrent pas la réalité des choses. En tout cas, pas tout le temps. Il faut arrêter aussi de dire que les médias montrent tout le temps des fausses choses. C'est pas vrai. Mais des fois, ils abusent les choses. Et c'est aussi la société qui veut ça. Pour faire vendre, il faut écrire des conneries. Zemmour, c'est un BG, frère. Oh, il fait peur, je trouve. On dirait un méchant nazi. On dirait un méchant nazi comme dans Vanguard. Vous l'avez pas vu, le méchant nazi? Il a la même gueule. C'est Gargamel. Le seul souci, c'est qu'il est juif, quoi. Le mec est juif et il dit... alors, en France, c'est la religion catholique. Donc, le mec prône quelque chose donc, auquel il ne croit même pas. Hein. Voilà, voilà. La petite moustache... La petite moustache à la tonton. Je me suis questionné sur ça. Je me suis dit, putain, mais c'est chelou quand même qu'ils disent que le catholicisme et tout. Mais en fait, j'ai entendu un de ces débats. Je trouve ça complètement con ce qu'il dit, mais... Merde, faut rouler à gauche. Habitude. Oui. Et il a dit que face à l'islamisation, faut se battre avec des alliés. Oui. Des alliés, mais il a cru c'était une guerre en fait, le type, hein. Le mec, il est... Ouais, un peu. Il est complètement... Ah, attendez, il méfrait Zemmour. J'ai vu aussi des journalistes qui ont interviewé des gens à un meeting de Zemmour. Et genre, la meuf, elle disait « Mais je sais très bien que Zemmour, il fera rien pour l'écologie. Mais avant l'écologie, je sais que c'est une cause perdue. » Alors, pas du tout, si on s'y met... C'est mais n'importe perdue. Quoi, ben oui, quand on veut, je on sais peut, que c'est une cause perdue. Alors, au moins... qu'on enlève l'islam de la France, qui est, je pense, le second plus gros ça problème. Ça n'a aucun rapport, vraiment. T'imagines le mec, pour régler l'écologie, il faut enlever l'islam, direct. C'est pas compatible. Mais non, c'est pas l'écologie. Non, mais je sais, non, mais j'ai compris. France, Jason, j'ai compris, j'ai juste dit, imagine. Il faut écouter, hein. Après, si t'enlèves tout le monde qui soit islamique, ça fait moins de gaz à effet de serre, hein, ils pètent moins forcément, ça glisse le port de l'écologie. Putain. Mais ça alors, marche attends. Avec toutes les populations, hein. Au moins, je te remercie d'avoir lu les commentaires. Ça marche mieux avec les athées. Hein. Mais bien sûr, mais la religion, c'est une connerie monumentale. Mais bon, ça, c'est pas grave. Tant que les gens croient en quelque chose, s'ils sont heureux, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Oui, mais ils nous pètent les couilles avec. Donc là, c'est pas pareil, tu vois. Alors attendez deux secondes, parce qu'il y a eu trop de messages. Il m'effraie, Zemmour. On est d'accord, moi aussi, il m'effraie. Il coûte combien mon setup? Beaucoup trop cher. Liberté, égalité, fraternité, telles sont les valeurs de la République, vive la France et vive l'Europe. On est d'accord, vive l'Europe. Il y a une minorité de juifs en France, ils vont donc chercher du côté France catholique, qui peut beaucoup plus nombreuse. Alors, je sais pas comment tu peux dire qu'il y a une minorité de juifs en France, en sachant qu'il n'y a aucune statistique ethnique et religieuse. Non, mais il y a moins de juifs que de catholiques. Non, mais d'accord, merci, mais on sait pas concrètement combien il y a de juifs et combien il y a de catholiques. Non. Donc, et il n'y a pas de statistiques, c'est interdit de faire des statistiques sur l'ethnie et la religion. Donc, il y a une minorité. Donc, ok, je ne suis pas marrant, je pars. Non, reste Black Pearl. Mon grand frère, c'est l'homme qui a tué Hitler. Ah ouais, le mec, il pèse quand même. J'ai le même avis pour la religion. Son oui, cadavre, on le cherche depuis quelques années. Surtout qu'il a 95 ans, son grand frère, en fait. Putain, il est. Ouais. Hey. Le mec, il déconne pas. Il a un sacré coup de vieux, quoi. Quand est-ce qu'on se met bleu? Ça fait 70 ans qu'on cherche son cadavre, là. Ben non, ben l'URSS, ils l'ont, hein. Ils ont le crâne. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Ah ouais. Si, si. Alors, les gars, mettez-vous à la page, hein. Ben non, non, mais ça a été prouvé par un dentiste qui a regardé le dossier médical d'Hitler par rapport aux dents. Et d'après ce qu'il en a conclu, c'est... Il y a des grandes chances que ce soit lui. Okay. Non, non, vraiment, hein, vraiment, c'est pas des blagues. Alors, soit non, je dis de la merde, ouais. Mais moi, d'après ce que j'avais vu, il y avait vu un reportage là-dessus parce que je trouvais ça plutôt intéressant. Et bon, l'URSS, ils sont... sur Facebook, ce reportage. Non, c'était sur Arte. Donc, ça a plus de crédibilité, ouais, je bon, pense, que va, Facebook. Ça va, ça va. Il y en a notamment... Salut les gars, adieu. Tut-tut. Quoi, ils vont? Attends, j'arrive pas à lire. Il y a notamment via d'autres pays étrangers qui ont eux le droit de faire des stats sur les religions en France. Non mais attends, c'est les pays étrangers. Comment tu veux qu'ils fassent un recensement sérieux?
En France, le recensement, tu reçois un papier tous les ans. Donc tu crois vraiment qu'ils vont envoyer des gens qui vont aller toquer à toutes les portes? Ils vont prendre un panel de gens, mais le panel sera représentatif d'une partie, mais certainement pas du pays entier. Et je disais ça en rigolant, vu que apparemment il s'est suicidé. Oui, il s'est suicidé, Hitler, effectivement. Il s'est tiré une balle dans son bunker lorsque les Russes étaient à Berlin. On sait pas pourquoi, mais... Bah si, on sait pourquoi. Bah bien sûr que si. En vrai, je suis foutu. Ben oui, il voulait pas, il voulait pas qu'on l'attrape. Attends, tu finiras en prison. Ben bien sûr, ouais, mec, c'était une humiliation. Il a, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il a donné une capsule de cyanure à sa femme. Il a mis une balle dans la tête de son chien et il s'est tué après. Attention. Ça tournait. En effet. Je rétrograde. A vu la facture de gaz. Zarox, elle a dit. Mais on, t'as dit, on sait pas comment il s'est suicidé. Et Zarox, elle a dit, vu la facture de gaz. Putain. Oh, c'est terrible. Oh putain, trop dégoûté, il a tué son chien. Ouais, ouais, c'est comme ça. Bah justement, du coup, je disais que son chien aurait pu donner des informations sensibles. Hein. Ah bah oui. Donc, bah, enfin, sensible, il aurait pu rien donner, il était fini. Donc, vous avez vu, les gars, il fait moins 9 degrés. Oui. Ah ouais, putain. Fait pas chaud, hein. On tourne à gauche là. Bon, tu sais, l'autre jour, il faisait pas très chaud. Wow, wow, wow. Attention, hein. Ça tourne pas de ouf. Faites gaffe. Il y a des passages, j'ai l'impression que la route, elle se décale volontairement, tu sais, elle te troll, genre. Et non, tu tournes pas. Tu tournes pas. Merde, j'ai mangé le trottoir, putain. Mais adieu, putain, j'avais pas fait en plus, hein. Ouais, au pire, tu veux que je regarde de tes propres yeux le nombre de mosquées. Oh là là, mec, si on. Oh là là, alors là, attention, ça dérive dans le genre de débat que je ne veux. Enfin, qui m'intéresse pas forcément parce que mon avis est déjà tranché. Alors attendez, moi je vais ici, je sais pas vous. Moi aussi. Oui, on va tous ici. Oh, j'ai. Oh, le bon créneau. Allez, on va entendre Rémi et Jason rager, ça va être drôle. Oh, par contre, Jason, t'emmerdes pas Rémi, hein. Je te préviens. À la queue le. Alors, je commence. Ok, on fait le plus rapide, ça vous dit? Moi je triche un peu, j'ai qu'une remorque. Ah ouais. Attendez, laissez-moi juste démarrer déjà en code parce que le démarrage en code il est compliqué. Allez, vas-y. Attention Rémi, je suis derrière. Oui, ok les gars, c'est parti. Bon, en vrai il est hyper simple le créneau. Ah bah ça va alors. Moi je vois pas où je dois m'arrêter en vrai. Mais t'as pas le problème là? De livraison? Si, 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 y'a le point, mais je vois rien de plus. Bah oui, bah tu vois, sur le point, tu fais entrer, puis tu verras. Après toi, Rémi. Je pense que tu peux y aller. Il a hop fini, c'est bon. Bien vu, la loose. Et pour qui au foot, mon pinçon? Je regarde pas le foot, moi je regarde le rugby. Et pour Toulouse. Toulouse. Le 5. La famille. Les gars, je suis passé niveau 30. Comment t'as fait Rémi? Tu t'es TP là? Mais qui cheat? Hein? Non. Non. Tu as pris 0 XP, le truc trop simple. J'ai pris le bâtard. Oh, t'es vraiment. Oh, t'es une merde, Rémi, vraiment. Putain. Au pire, attends. Je suis niveau 45 là. On s'en au prend. Pire, si tu veux, regarde de tes propres yeux le nombre de mosquées, le nombre d'églises et le nombre de synagogues. 45. Et le nombre d'adhérents déclarés, tu feras vite la comparaison benchmark. Non mais mec, c'est un pays catholique, la France, il y a 100 fois plus d'églises que de mosquées et de... Oui, ça c'est sûr, merci. Logique. C'est... Oui, voilà, merci. C'est... Demain, tu vas au Maroc, oh là là, il y a plus de... y a plus de mosquées que d'églises. Jure, vraiment? Oh là là, sans blague. Les guys... Je reviens dans 2 minutes, les amis. À toutes. Il est parti. T'es niveau 45 sur ETS 2? Oui, pourquoi? Mais t'as fait plein de trajets, ça, non? Pas forcément. Ah, ok. C'est juste que moi, généralement, j'ai pas de dégâts, donc je gagne plus d'XP, sûrement. Non, mais moi aussi, j'ai pas trop de dégâts. Hein. Enfin, j'ai dû avoir 1% là. C'est tout, quoi. Ça m'a rien fait peur. Hein. Jason qui a osé dire j'ai pas beaucoup de dégâts. Énorme blague. Hein. Et si jamais moi j'ai fait un trajet excellent là.
plaît. Mais moi aussi. Alors, comment... Mais alors, les amis, on va faire attention, par contre, sur les blagues un peu limites, parce que YouTube, il va pas aimer ça. Et je suis vraiment sérieux là-dessus. Je suis face à un spiritombe. Oh, t'as un spiritombe. Déconne pas, sauvegarde, Zarox. T'as trouvé toutes les flammes, ouais, ou pas? C'est un Pokémon assez rare. Je suppose que tu arrêtes, Rémi. Ou pas? Si. Ok. Du coup, Jason, moi je te propose un dernier petit trajet. Le tour in France. Elle voulait aller à Reims. Elle voulait aller à Reims. C'est où Reims? Mais Reims, c'est à côté de Paris. Côté de Strasbourg. Oh, mais c'est à côté. C'est mon cousin, c'est Rory Cocotte. 2 heures à tourner dans le marais Carmine pour rien. Oh, l'enfer. Terrible, ça. Hein. Ou alors, non, on peut faire un peu d'Angleterre. On peut faire Londres. Moi, je serais bien parti à... Oula, attends. Ah oui, en Suède. Non. C'est l'Irlande. Mais tu peux pas dire à côté, oui, genre à gauche de Londres ou je sais pas. Non, en Irlande quoi. Bah, on va aller en Irlande, Zarox, parce que Reims, ça nous fait pas beaucoup là. Hein. C'est à côté, Reims. On va quasiment pas rouler. Je peux encore aller en Irlande. Donc. Moi, je te propose qu'on fasse Londres, Dublin. Ou Limerick. Attends, fais voir là, la carte. Londres, Limerick. 900 km. À côté. Ah oui, bah ouais, allez. Allez, faisons ça. Londres-Limerick. Du Castres Olympique. Non, mais Zarox, fais pas la tête. Promis. Écoute-moi, Zarox. Je te jure, voilà. La prochaine fois, on y va. Promis, Zarox. Et tu hésiteras pas à me le dire, d'accord, si j'oublie. C'est quoi, attends, je vais le noter sur mon pense-bête. Des vaccins pour Robcar, c'est pas mal, ça. On va marquer Zarox. Aller à Reims avec un petit cœur. Parce qu'on est gentil. On a dit. C'est quoi j'ai dit quoi, Jason? Le nom? Merde. Attends, je vais te le dire. Oh merde, j'ai oublié. Ouais, je vais aller voir aussi. Attends. Non, mais attends, j'ai ma mission là-bas à 9 km. Faut que j'aille le récupérer. Je sais plus trop quoi là. Tu m'as dit, voilà, je te crois. Limerick, ouais. On va à Limerick. C'est fou ça, tu le dis il y a 2 secondes. Ouais, mais ouais, non, mais c'est terrible. Hein. Surtout, c'est des mots qu'on n'entend pas souvent, donc. Limerick. Hop, Irlande, c'est ça. À gauche. Hop, 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 il y a deux routes, c'est pas pour rien, je te dis, moi. Ça me termine des gens comme ça. C'est terrible. Allez, manges-tu du poireau dur et sec? Alors, le corps, c'était très gentil, mais tu dis vraiment des phrases qui n'ont aucun sens. Mais on t'aime bien après, hein, vraiment, mec. Hein. Il est mignon, quoi. Il est remis, il remue la queue. Il remue la queue, il est content. D'ailleurs, les amis, Rémi, au niveau de mon micro, c'est la qualité est bonne et tout, il n'y a pas de souci, on est d'accord. Oh oui, c'est correct. Ok, est-ce que tu peux juste checker sur live si c'est la qualité bonne, qu'il n'y ait pas de bruit, pas de bip, mais je veux dire de bruit de fond, de noise et tout, parce que toi je sais que tu gères bien le son, tu connais un petit peu comment je suis au niveau du son, donc tu pourras dire si mec, ouais, tu peux mettre un peu plus de ci, de ça. Non, c'est correct. C'est correct, là? Calis. Correct. Calis. Tabarnak. Nickel le micro, merci Zarox, tu gères. En vrai Zarox, ça fait trop plaisir Black Pearl et tout, ça fait trop plaisir de vous voir là souvent. Vous rendez pas compte de la satisfaction que c'est pour un petit streamer de sentir qu'une commu est en train de se créer, que des gens ils sont heureux sur le live et tout. Mais vraiment, ça fait plaisir. Moi je suis un book de Toulouse, c'est vrai t'es de Toulouse mec. Vraiment ou tu te fous de ma gueule juste? Non, parce que c'était Toulouse, c'est trop bien. Non, moi je suis Toulouse, j'habite pas très loin de Toulouse, j'habite à 2 heures à peu près. Après, c'était chiant, on resterait pas. Je me doute, bien entendu.
C'est pas mon intérêt. Si je stream, c'est pour pouvoir parler avec vous et tout, quoi. Putain, qu'est-ce qu'on se traîne la bite, par contre, à 60, c'est terrible, hein. C'est une catastrophe, hein. Mais ouais, moi, je me doute. À Baptiste, j'ai pas vu, mais... Ouais, moi aussi. Enfin, je suis à 3 km là. J'ai l'impression que c'est hyper long. Je suis à 1 km. Oh non, je peux pas tourner à gauche là, jure. Oh, pop, pop, je prends que trop ça, c'est un bail couille, moi. Et attends, je suis pas un anglais, moi. Au pire, hey, je suis pas anglais. Ils pourront pas m'enlever le permis vu que j'ai pas un permis anglais. Hey, y'en a là-dedans, hein, je te dis, moi. Hey. Ah, on va au même endroit, Jason. Tu feras attention, Baptiste, il y a des plots et tout, mais faut aller tout droit. Hop, hop. On peut rouler dessus, non? C'est en plastique. Eh. Moi, j'ai un tracteur, là, il fait 7 tonnes, hein, le machin. Hein. C'est pas un petit plot de PD qui va m'arrêter, je te dis direct. Hein. T'es de Clermont? Clermont, j'y vais souvent à l'hôpital, là-bas. Et les spécialistes que je vais voir. C'est un bon hôpital, ouais. Bah ouais, à la base, j'aurais dû aller à Paris un jour pour ça, mais mec, c'est bon, trop loin, quoi. Paris, mec, faut aller à Paris, faut trouver un hôtel et tout, tu t'en sors vite pour, si tu vas à deux, à deux pour deux jours, tu t'en sors pour 500 balles, hein. Pour 500 balles, hein. Moi, j'ai pas 500 E à mettre là-dedans, hein. Je sais pas, je me suis trompé ou pas, là, non? C'est bien, on prend des vaccins dans un chantier, c'est hyper logique. Bah oui. C'est en fait, en creusant le sol, ils ont trouvé des chantiers. Oh, des routiers, le Corse. Je m'excuse au nom de la profession des routiers, hein, pour ce que vous voyez. Non, en vrai on conduit bien ce soir. Non, ce soir, on conduit bien. Ouais, bon, à part Rémi qui sait pas conduire, mais... je rigole, Rémi. Oh. Eh, calme-toi, Rémi. Bon, hein, putain, t'es susceptible. À 60, alors qu'on peut rouler à 110. Écoute-moi, peigne-cul. Écoute-moi, peigne-cul. D'accord. Te calmer direct. Boîte de vitesse, hein, bon. Oui. Apparemment, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Fais le malin. Fais le malinois. Je dis ça comme ça. Hein. Par contre, t'as mis un 20 à Black Pearl. C'est pas cool. Oh, pardon, Black Pearl, excuse-moi. À droite aussi, Excuse-moi, tu m'as dit quoi, Black Pearl? Attends. D'ailleurs, je sais pas. Je sais que je force, mais tu peux m'aider dans ton serve. Ah oui, c'est vrai. Attends. Je le ferai après. Tu m'enverras un message si tu veux. Oui, je vais oublier, mais tu m'enverras un message. J'ai fait le malinois. Il est comme ça, il remue la queue, Rémi. Hop, hop. Rémi, il remue la queue, je peux vous le dire. Hein. Et quand tu remues la queue, sortez-vous, hein, parce que c'est... Il fait l'hélico, bite. Hein. Je peux vous le dire. Il y en a une, on l'appelle... Le confirmer en plus, hein. C'est ta main, hein. Ça, on est d'accord, hein. Meilleur, peut-être, hein. Oh, l'enculé! T'as entendu, Jason? Ah, bah oui, je l'ai entendu. Ah, le bâtard! Alors, Rémi, écoute-moi bien. Hein. Je peux t'assurer que ta daronne, elle va prendre cher dans le prochain live. Mais alors. C'était à ce moment-là, hein, qu'il fallait lancer le jingle. Oh putain, mec, c'est incroyable. Tu m'as explosé de rire. C'est ta main. Non, hein, c'est pas ma main. Hein. C'est ta mère. Hein. Je peux te le dire que. La cagole. Ah, là, là. Elle peut confirmer. D'accord. Moi, ce qui me tue, c'est quand Rémi fait et adieu, quoi. Putain, quoi. Moi, j'aurais vraiment. Non, c'est marrant. Il fait vraiment la Véronée, quoi. Oui, adieu. Emma, qu'est-ce que tu reçois? Et quel. Et pute, quoi, j'arrive pas à avancer. Bien adieu. Moi, je suis à Véronée de père en fils depuis au moins 1644. Ouais, on a retrouvé des traces de... C'est vrai ? Jure ? Ouais. Jure, vraiment ? Oui. Bon, arrête. Une fois, un jour, il y avait un papier qui traînait et tout. Il y avait c'était des cassos, il y avait des cassos comme toi à l'époque. Mais c'est mec, c'est insane. Les peut-être mères. Que tu descends... Créateur de blanc depuis 1661. Gênant, la famille gênant. Famille gênant. Ah oui, c'est notre corps là. Il y avait des papiers dans la mairie de Salcuran qui dataient de. Ah oui, Salcuran, tout le monde connaît, hein, capitale du monde, je crois. Salcuran, hein, non? Fou là. Capitale. Il a du corps. Parce que le mot curant dedans, je sais pas pourquoi. Curant. Curant, ça me fait rire. En l'occurrence, ce.
Yes. Ça va vous sinon en termes de d'humour et tout ça? Oh mais Jason. Moi, je Jason, les transpalettes ils sont invisibles, j'ai roulé dedans. Ah bah cool. Les transpalettes ils sont invisibles. Moi je t'attends, hein. Je suis. Oui j'arrive, mais je t'avoue que la sortie d'ici est un peu dure quand même. Elle est pas facile. Mais je t'avais dit de prendre large. du coup je vais vous laisser là. Eh ben, écoutez, je te dis à bientôt, va. La sortie est pas facile. Pose-toi bien. Je t'avoue que je galère un peu là, hein. Pour trois fois rien, hein. Fais-toi plaisir, Rémi. Oh mon salaud, paye ta bière. Et du coup, Théo, t'as quoi comme casque? T'as toujours ton casque que le SteelSeries là, je crois que t'as. Et bien sûr, tu veux que j'ai quoi? Oui, c'est ça. Je vais brancher un Jacques J que Jacques. Jacques. De la table. Jacques J que Jacques. Ah bah t'as, il y a la station service là-bas, je vais aller faire le plein. Ça fait 4 heures que j'essaye de sortir, hein. Je m'excuse, hein. Oui, bah bon, je vais faire le plein là, tranquillement. Je suis ressorti. Hop hop, les transpalettes, ils sont invisibles. Pas de problème. Si seulement c'était si simple dans la... Mais c'est vraiment ça en plus, hein. Ils sont vraiment invisibles, hein. Allez, on va sortir. Ils sont invisibles aujourd'hui. On va y arriver. Hop hop, tu peux sortir tranquille, le transpalette, il est invisible. Ah ok. Genre je me vois trop. Ah oh, nickel. Personne dans la vraie vie. Un pec. Ah nickel. T'imagines le mec il arrive dans le bureau. Ah ils sont invisibles ou pas les transpalettes aujourd'hui là? Ah tu peux y aller Michel, y'a pas le problème, hein. Tu pourrais aller dessus, hein. Allez on avance. 1,46€ le gasoil ici, c'est moins cher qu'en France, quoi. Le gasoil. Le gasoil. Le gasoil. Merde, j'avais le différentiel d'activé, con. Et après, mon camion, il fait trop la différence et je me fais cramer. Putain, mais comment c'est branlé ici, quoi. T'imagines le mec. Personne. Il a pas compris le principe du différentiel. Salut, maman, à demain. Comment? Ouais, on rigole bien. Je passe le bonjour à la mère. Eh ben, il y a... Caride ce soir. Il y a Jason et Rémi qui te disent bonjour. Ils te disent, elles vous répondent bonjour. Voilà. Elle a dit quand vous voulez, vous ramenez votre cul un jour. Ah ouais. Ouais. Il y a un qui bosse, hein. Et il a dit, il y en a qui bosse. Et bim, calmé Anita. Hop. Elle a dit, bienvenue dans la vie, jeune con. J'ai entendu. Attends, mais tu vas me dépasser là. Ils peuvent pas. Ils ont pas le temps, maman. Ils ont même pas le temps de venir voir leur famille, donc. Mais non, mais Rémi vient bientôt normalement. Je te dirai. Par contre, je me suis. Ouais, trompé de sortie, mais c'est pas grave. T'es où, Jason? Bah, je suis à la sortie. Tu t'es trompé. On peut se rejoindre à Europcar. Attends. Europcar. C'est ouais. Où? Attends, t'es où? Sur la M24, je crois. Non, M. Ouais, ben on se rejoint là-bas. Tu sais, ouais, Europe Car. En plus, il y a un point d'interrogation. Oh, mais merde! Ah, ben non, on pourra pas. Moi, je peux pas sortir. Ah, si, ouais. Je peux sortir, my bad. J'ai rien dit. Bah, tu sais quoi, je vais aller mettre le plein. Même si j'ai pas trop besoin de sang, je vais faire le plein quand même. Moi, je viens de le faire. Il est parti du coup, notre petit Rémi. Bah, il est toujours présent. Je suis là, mais je vais dire bonne soirée. Ah, et bien, te fais des bisous, mon Rémi. C'était bien sympa. Eh. À bientôt. Rémi, c'est rien que pour toi. Bonne nuit, les petits. Oh, il est infernal. Voilà, le malaise. Hein. C'est bon. Rouge. Merci, Jason, pour cette création de malaise. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas été gênés. Ça nous fait du bien. On revient aux sources un peu, si tu veux, quoi. Allez, bonne soirée. Allez, bisous, Rémi. Ciao. Ouais, ciao. Allez, on fait le plein, hein. 1,46, putain. Ah, Rémi. Non, un enculé, ce mec. Je peux pas le voir, hein. C'est le mec des Kideko. Putain, mais quel enculé, quoi. Putain. T'es au point d'interrogation? Oui. Je suis à station, là. Bon, en fait, je viens pas. Je t'attends. T'as raté la sortie? Sur l'autoroute.
j'ai pas redit la sortie, j'ai vu le rempoint, j'ai fait putain, je vais un peu trop vite, j'arrive pas à freiner, je suis en bas. Ah ouais, merde. Putain, le con. Alors attends, moi je vais rentrer au point d'interrogation. Bah, je vois là-bas. Oh, c'est ouvert encore. Tant pis, hein. Bah attends, mais il est 11h du matin. Attention. Jason, il est 11h du matin et il fait nuit. C'est quoi? C'est pas possible. Ah non, il est 20h30, my bad. Non, c'est l'heure à laquelle on arrive. Oui, oui, oh, et c'est bon, hein. Oh. On arrive dans... Alors, pas longtemps, Jason. Théorique. Le trajet va être rapide, hein. Ouais. On arrive à 23h40. On peut les faire comme ça. 23h40, on arrive. Nice. On roule à gauche, hein, fais attention, ne pas te tromper. Hop, il y a deux routes, c'est pas pour rien, hein, d'accord. Moi, j'ai la merde aux Anglais. S'ils roulent à l'opposé, c'est leur problème, hein. Bon, et le Corse, du coup, tu conduis quoi, là? Tu conduis un petit MAN, un petit Volvo? T'es où, toi? T'es de quel côté, là? Un Merco? Scania? Un Renault? Un Renault, hein, putain, quoi. On a tout fait. C'est pas cher, mais c'est la merde, hein. À gauche. Ce qui est triste, c'est que c'est vrai, mais pas oui. Trop. Genre, c'est, oh, c'est un peu de la merde en vrai, quand même. Ouais, ouais. À côté, prendre un Scania en, ou... en camion, je sais pas ce que ça vaut, mais en voiture, c'est dehors, ça merde. Oh, c'est pas ouf, ouais. Toi, t'as quoi? T'as du Peugeot? Non, c'est la Renault. Non, t'as une Renault, toi. Moi, j'ai une Renault. Mais ouais, les vieilles Renault, elles sont bien. Hein. Mais tu sais que les Clio 2 et les Clio 3, elles sont recherchées. Hein. Les Clio 2 et les Clio 3 sont recherchées. Elles coûtent assez cher, en vérité. En plus, moi, j'ai un modèle exclusif. Oui, exclusif qui n'avance pas précisément le cas même, mais... Oui, mais elle est OGPL. Hein. OGPL, c'est mais elle n'avance pas. Ah, faut choisir, hein. Il y a, il y a deux options. Va, tu soit payes tu pas cher ou t'avances pas. Pas. C'est terrible. It's terrible. Ouais, j'ai hein. 300 000. Les bah oui. Qui augmente, moi, bah ça, oui. Ouais. Là, mec, même si elle avance pas de ouf, on s'en fout. Là, tu payes pas cher de ouf. C'est trop là, bien. Je peux te dire que mes burnes, elles sont solides. Hein. Elles sont en or. Ça, ça te coûte combien par mois de GPL? Bah, ça dépend. Là, j'utilise pas trop. Donc voilà. Mais généralement, je fais quoi? Un plein, 25 euros. Ça me suffit. Par mois? Ouais. What the fuck? Bon, tu dois pas l'utiliser beaucoup. Après, ça dépend, hein. Là, là, je vais remonter, je vais redescendre, je vais faire... Je peux faire trois... un aller-retour Tarbes-Mont-de-Marsan et un autre aller vers Mont-de-Marsan. Normalement, ça devrait passer. J'ai 400 km, quoi. Par plein. D'accord. De 25 euros, à peu près. Ça va, hein. Oui, ça va. Après, tu prends le bus, c'est moins cher, hein. Ouais, mais le bus, tu peux pas prendre un setup gaming dedans, quoi. En vrai, si. Ah ouais? Non, non, vraiment, ouais. Parce qu'ils te disent, ouais, si vous avez plus d'une valise, c'est supplément. Faut jamais cocher plus d'une valise sur le site. Parce que les sous, elles sont tout le temps vides. Donc tu peux ramener ce que tu ouais. veux, le mec il s'en branle. Mais genre, quand je te dis vide, c'est pas un peu vide. C'est, y a rien. Y a 10 valises dans la soute. La soute, elle est immense. Quand t'étais parti chez Wolf, t'avais pris pas mal de trucs, non? Bah j'avais pris non j'avais pris qu'une valise parce que mec c'est l'enfer après hein, pour la déplacer et tout oui. Mais j'aurais pu très bien pu prendre deux valises, mon fauteuil et tout. Après c'est pour faut le déplacer quoi, mais de toute façon ton fauteuil genre tu fais ouais bah j'ai un fauteuil roulant, ah mais on le met pas dans la valise monsieur, vous avez pas coché, genre ils diront jamais ça quoi. Non mais c'est pour dire que même quand t'as deux valises, le mec il va pas dire ah vous avez coché qu'une valise, vous pouvez pas prendre la deuxième, ou vous payez un ouais, supplément, non. Il te fera jamais payer le supplément. C'est pas comme à l'aéroport où ouais. là le poids est extrêmement compté et 10 kilos temps, de plus ça va te coûter oui. 1000 euros de plus à la fin. Donc voilà, d'un côté quoi. Ça se comprend, vu le prix du kérosène quand oui, tu ça se comprend. Oui oui ça se comprend qu'ils jettent aussi la moitié du réservoir dans les airs quand, oui, quand ils en ont trop et qu'ils vont atterrir bientôt. Complètement con d'ailleurs. Mais ça doit de polluer de ouf en plus. Pourquoi ça c'est quoi ça, de quoi? Bah, les avions quand ils ont trop de quand leur comment dire leur réservoir et ils ont prévu trop d'essence, trop de kérosène, qu'ils en ont trop et qu'ils savent qu'ils vont en avoir assez avec moins, ils en jettent une partie dans les airs. Pourquoi faire? Parce que ça leur coûte plus cher de porter
tout le litre en plus à l'arrivée que de voler avec moi. Non, non, c'est... Bah oui, mais tu verras sur internet, hein. Enfin, tu pourras regarder, c'est pas du bullshit. Hein. Ah oui, c'est complètement con, mais ça, ce qui paraît, ça leur coûte moins cher. Et non, c'est pas, je suis pas complotiste et je parle pas des cumtrails. Ça aussi, hein. Mais les cumtrails, tu connais pas? Non. Je parle pas de cum, C-U-M, hein. C-H-E-M. C-H-E-M, en gros, c'est les traînées, si tu veux. Tu sais, les traînées qu'on a derrière les avions. Bah, pour certains complotistes, c'est du gaz ou des trucs qu'ils envoient dans les airs pour contrôler la population. Mais je parlais pas du cum trail. Je parlais pas du cum, hein. J'étais pas là comme ça. Cum shot. Cum shot. Oh, ça faudra demander à la mère à Rémi, hein. Tout ce qui est cum shot et tout, c'est plus son domaine, quoi. Ah ouais. Disons que bon, on la rend avec le plein, quoi, comme on dit. Hein. Je te pas. Oh putain. Mais adieu, mais tu débordes, Anne-Paul. Hop, hop. Putain, t'inquiète. Mais c'est grand ici, Anne-Paul. Hein. Oh, Rémi, si regarde le live avant de se coucher, il va nous haïr, mec. Putain que c'est grand là. Là Rémi, il doit tu sais comme la dernière fois là où t'avais il doit pas rire du tout. Il doit être là en mode bah yes, en tout cas on franchement on rigole de ouf, mec. Eh, trop lol le live de Pafadelcraft. Oui. Pardon, la dernière fois j'ai... Il y a un mec qui a une maladie. Et je sais plus trop ce que c'est. En gros, il a aucun poil qui pousse, tu vois. Genre vraiment. Non, c'est juste imberbe, ça, Jason. C'est pas une maladie. Non, non, mais il a aucun poil, mais genre il a pas de cheveux ni rien du tout. Il a pas de sourcils, il a pas de cils, il a vraiment rien. Je sais plus comment ça s'appelle. Il s'est fait irradier, c'est doux, hein. Pas de. Et genre, il s'amuse à faire des omegle et à faire des TikTok, tu vois, ou des trucs comme ça. Et genre, dans une de ses vidéos, il va sur omegle et il y a des gars qui se foutent de leur gueule. Et lui, premier degré, il est resté comme ça, il a fait. Ah ouais. Et pourquoi tu rigoles comme ça? Genre, et tu trouves ça marrant? Non, vraiment et tout. Alors qu'il charge. Alors que quoi? Il le cherche concrètement, qu'il y ait des trucs comme ça, quoi. Oui, oui, bah oui. Allez, sur mes gueules. Dommage, c'est pas au contrefort couronné. Ah merde, ouais, tu pourras pas choper un Kranidos du coup. Allez, courage, tu vas l'avoir ton Kranidos. Si je l'attrape, je t'en passerai un Zarox, promis. Mais je crois que j'en ai un Kranidos en vrai. Tu me donnes le doute là. Je crois que j'en ai un. Tu me suis toujours, beau gosse? Moi? Oui. Oui. Oui, oui, bah oui. Adieu! Tut tut! Les amis, ça me fait plaisir de vous voir autant là sur le live encore. Je suis content vraiment. Et ouais. Ça fait trop plaisir. Ah ouais, moi c'était là-bas, ouais. Merci, dommage. C'est pas contrefort, donc pas de Kranidos. Aïe! Non, tu pars pas, Zarok, tu restes. T'as pas le choix. C'est pas une question. Black Pearl, il va être triste sinon. Et si Black Pearl, il est triste, bah, Pafa, il est triste. Et si Pafa, il est triste, bah, Jason, il est triste. Et si Jason, il est triste, bah, on s'en bat les couilles. Oh, je m'en fous si t'es triste ou pas. C'est vrai. C'est vrai. Aucune race. Par contre, oh, mais j'ai pas vu, j'ai 332 000, con. Moi j'ai 224 000. Peut-être je vais m'acheter. Je pense que je vais acheter deux camions après. Ou alors j'achète un camion et une remorque. Frigorifique. Putain, c'est vrai qu'il y a des remorques. Ah, mais oui, j'avais pas vu, il y a Luca. J'avais pas vu Zarox. Pardon, salut Luca. Oui, pardon. Ça rapporte plus les remorques là. Ça rapporte Je pense que c'est plus rentable parce que du coup. Tu payes pas, je pense que tu dois payer quelque chose. Moi, je sais pas comment ça se marche, mais je pense que c'est plus rentable, ouais. Bah, ça serait logique en vrai. Parce que si t'achètes une remorque ouais, mais faut, et que ça te coûte.
et tout, est-ce que le mieux ce serait pas d'acheter plus de chauffeurs que d'acheter des remorques en plus, tu vois ce que je veux dire? Bah je pense que, bah mec, moi j'ai déjà qu'un chauffeur donc... Je vais essayer de... entreprise qui coûte 38 000 salariés, donc voilà. ouais, on est sur N17K là, hein, en fait, d'employés. De ça va tout le monde? Ben oui, ça va et toi, Luca? Tranquillou? Tiens, c'est vrai que mes 224 kilos là, fort que je les dépense. Il va falloir que je baisse le son du jeu. Je vais ralentir, je vais baisser. Je vais repasser la première. Hop, le frein moteur. Ah oui, j'avais oublié qu'il fallait ça pas va. Passer la première quand t'as la sixième. Ça te fait un petit peu... bref, pilé. Mec, j'ai pris 0%, Jason. Crois-le ou non, j'ai pris 0%. Ouais, cool. Attends, je voulais faire quoi? Oui, je voulais baisser le son du 2. Vivement ma Korg. Hein. Vivement que je récupère ma Korg. Mais elle est où? Ah, mais elle est toujours avec ton PC aussi? Elle est DM, malheureux, Dieu, qu'elle soit où. Et la Korg, j'ai trouvé un logiciel, je pense que ça marche, pour contrôler la Korg sur deux PC. Pareil pour le Stream Deck. Ouais, mais moi ça m'intéresse pas, ça. Mais moi si, parce que j'aimerais bien contrôler le son de mon jeu sur mon PC de jeu avec la Korg et contrôler le reste des sons du Voice Meter sur le PC de stream. Ah, mais moi, bah oui, tu peux. Mais oui, mais tu peux. Tu merde, je dis n'importe quoi, mais bien sûr, tu peux le faire avec Voice Meter, je suis con. Avec le V-Ban, Voice Meter. Oui, tu peux V-Ban tout midi aussi. Oui, oui, je sais. Donc, moi, ça m'intéresse pas concrètement. J'envoie mon son du PC de jeu sur le PC son et je règle juste le son du ah, PC. Ah, mais oui, mais moi aussi, je l'envoie sur le PC son. Ah, je suis trop débile, mec. Je suis vraiment débile. Je conduis comme je veux, d'accord. Si je veux me décaler sans aucune raison, je me décale. Ouais, la forme des autres peut être venue avant. T'inquiète, Luca, y a pas de souci. Mec, tes lumières jaunes, elles sont insupportables. Elles me font chier. Par contre, j'ai l'impression que les miennes. Ah, mais j'ai. Mais. Faut appuyer attends, sur... mais j'ai. Vas-y, sur quoi? Sur O. Sur O pour le clavier, je crois. Ah oui. Pour mais moi, activer, j'aimerais bien réactiver tout mon truc. Mais j'ai pas toutes mes lumières qui sont allumées devant là. Bah, faut t'arrêter et appuyer sur la flemme. Ah, ouais, je sais. Bon, la flemme. Ouais. Parce que là, jusqu'à 2h pour me rattraper, promis. on va voir ce qu'on fait après. On verra, les guys. Y a pas de soucis. Je sais pas combien de temps je vais stream, mais pour l'instant, là, on s'amuse bien. Donc, puis en plus, vous êtes. Y a du monde ce soir. Donc c'est cool. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Non. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Allez, tout le monde debout. C'est dégueulasse. Allez. Et on danse, et on danse. C'est pas parce qu'on est des femmes musiques qu'on peut pas danser. Wouh. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Oh, mais... Est-ce que tu te rappelles de la musique de la tectonique? Qu'il y avait. Je trouve que je pourrais le faire un peu avec. Ben voilà. Ouais. Et c'est parti. Mais il faudrait mettre un filtre post-bas là pour ça, cette voix. Pourquoi? Ah, ça coupe. Pour faire le c'est parti. Parce que le ouais. Avec le vocoder, c'est pas. C'est pas un vocodeur, ça c'est. Si non, c'est un vocodeur. C'est un vocodeur. Fais gaffe, okay. je me décale à gauche, d'accord. Je veux pas t'écraser, ralentis un peu. T'as la place, hein. Vu qu'on sort sur la gauche là. C'est désespérant. On est désespérant. Concrètement, par contre, Jason, je veux pas dire, mais toute la soirée là, on a très bien conduit, même si on roule à fond et on se fout pas en l'air et tout. C'est rare ça. Bah, t'es sûr que t'es pas malade? Début, quoi. Eh, putain quoi. On a putain avec Rémi. J'ai eu de la chatte avec Rémi au début. Mais t'as vu, ça a pas de sens. La dernière fois, je me prenais des plots, je prenais des 17%. Là, je me fous en l'air. Je me plie en deux, 1%. Et c'est parti. Je vous ferai un peu d'ASMR si vous voulez après les guys. C'est faux. Je peux lécher des oreilles hein, si pour des subs, je suis prêt à tout. Moi, j'étais petit, je dansais sur la tectonique sur l'île de mes parents.
Après, t'étais peut-être pas un enfant voulu, Luca aussi. Hein. Faut, voilà, il faut arriver à l'avaler. Si tu dansais de la tectonique sur le lit de tes parents, Luca, peut-être que voilà, peut-être que il aurait peut-être fallu utiliser du Rex, quoi. Oh non, Jason. Il y a peut-être une vidéo de moi qui danse sur la. Jason. C'est pire. Si on atteint 15 subs, tu nous la montres. Non, pas 15. Hein. C'est 1000. Combien? Vas-y, donne un chiffre. Oh, mais arrête, frère! Vas-y! T'es dans l'excès! 1000 subs! Okay, sérieux! Okay. Non, un chiffre atteignable! Okay, je sais pas. J'ai une petite commu, j'ai même pas 200 follow, Jason. Donc, si tu me dis, genre, je sais pas, un chiffre qui me. Là, j'en ai 7. Un chiffre qui me semble honnête, okay, c'est genre 30, tu vois. Non, à 50. Un truc dur! Ça. À 50! 50. Oh. 50, c'est un peu dur et tout. Oh. Et ok. 50... Les amis. En plus, la vidéo, je l'ai numérisée et tout. Hein. Si je ok, la retrouve, écoutez-moi. Écoutez, est-ce qu'elle est vraiment cringe? Elle est vraiment cringe? Ah ouais, franchement, là, c'est chaud. Hein. Ok, écoutez-moi, en fait, les amis. Je fais un petit teaser. C'était Vas-y. Pendant une partie de jeu de cette famille. Voilà, j'en dis pas plus. Non. Voilà, c'est... Alors, les amis, on a le combo gagnant. Hein. Les jeux de famille avec quelqu'un qui danse, très gênant. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je sais pas si en vrai, je sais pas si j'ai. Faut que je vérifie. Si on arrive à 50 subs, les amis. Bon, peut-être pas ce mois-ci, plus tard, quand la chaîne va grandir. Si on arrive à 50 subs, Jason nous montre sa vidéo. Et là, honnêtement, ça pourrait être peut-être l'un des meilleurs moments de la chaîne. De la TV. Faudra que tu me confirmes quand même si tu l'as. Et si tu l'as, j'annoncerai ça officiellement, Jason. En vrai, 50 subs avec la taille de ma commu, c'est honnête. C'est pas trop, bon, c'est quand même beaucoup, mais c'est pas impossible. J'ai numérisé mais toutes les vidéos que mon père avait fait avec le caméra. En VHS ? Avec du VHS ? C'était des petites cassettes ? VHS. Ouais. Ok. On en parle ou pas ? Qui fait moins 18 ? Ah non, moins 10. Le moteur est chaud. Hop hop. Non mais on n'est pas en Suède, on n'est pas en Irlande quoi. Ouais, en Irlande. Bah, c'est pas étonnant, hein. Des fois il fait moins de 10 hein, en Aveyron. Oui, c'est vrai. Et sur le Brac, tu peux arriver à moins de 10 facilement. Oui, non, mais largement. Et chez moi, il fait des fois c'est déjà arrivé qu'il fasse moins 10, donc bien sûr. Oui. J'ai numérisé tout, et je crois qu'à ma soeur, à un moment, elle était à un match de foot. Et genre, il y a quelqu'un qui faisait nimp, et genre ma soeur, elle l'a tapé. Je crois. Sérieux? Pour combien de subs on peut voir cette vidéo? Oh, mais c'est incroyable! Rond-point! Ça passe à 80. Ensuite, t'as non, une vidéo ça passe pas à 80. Ça passe pas à 80. T'inquiète, je suis à 70. T'as une vidéo où t'as la voisine qui râle parce que y a sa sœur qui va en voyage scolaire avec ma mère. Parce que ma mère, elle est ATSEM. Oui, je sais, ouais. Je sais qu'elle est ATSEM, moi. Et un bout de. Parce qu'elle y va pas, elle. Ça doit être très drôle. J'aime beaucoup les enfants qui boudent ou qui râlent. Je trouve ça très drôle. Mais. En plus, du coup, cette partie, vu qu'elle est vraiment très marrante, concrètement, j'ai fait un cut et tout, je l'ai envoyé au voisin. Oh putain, mec. Et elle bosse à quelle école déjà? C'est celle de. À l'école de Flavin. Mais après, en ah fait, oui, c'est vrai. Ils faisaient des sorties scolaires avec l'école de Flavin et du monastère. Ah oui, ok, le monastère, c'est vrai. Ils faisaient le truc, des fois, des voyages scolaires ensemble, et du coup, une fois, c'est tombé avec la voisine qui a le même âge que moi. D'accord. Donc, moi aussi, j'imagine que j'allais. Et bonne la voisine ou pas? Hey. Je sais. Pas trop mal, hein. Et écoutez, pour tremper le biscuit, on fait avec ce qu'on a, hein. Un sac McDo sur la tête, et c'est parti, hein. C'est horrible. Non, ouais, elle est pas moche. Hein. Elle est... Oh, disons que bon, elle se défend, quoi. C'est tellement horrible. Elle est brave. Tu la trouves comment, la voisine? Eh ben, elle est brave. Elle est gentille. C'est terrible ça. Hein. Oh putain. Ouais. Ouais, tu le trouves comment? Ouais, il est beau gosse, non? Super. Oh,
Ah ouais? Il est gentil. Il est gentil, voisin. Il est gentil, Jason. Il dépanne. Il dépanne. J'avoue, je... Mais non, oh. Il dépanne. C'est la pire truc à dire, ça. C'est terrible. Bon, il est là quand on a besoin de lui, quoi. Après, bon, je vais pas me prononcer sur le reste. Ralenti. Le rond-point, il est assez rapidement. Ça ne tourne pas. Heureusement que j'ai des réflexes, hein. Heureusement que je suis devant pour te prévenir, surtout, oui. Aussi. Non, en vrai, il y a des endroits où ça ne tourne pas. Tu penses qu'on peut griller le rond-point au milieu? Moi, je le tenterai pas. Le sort ou pas? Griller le rond-point, ouais. Oui, c'est bon. Griller le rond-point, mission passed, respect plus plus. Sauf que ça fait juste... J'ai pris 2%, j'ai pris 2% à semi. C'est plus long et ça prend des dégâts. Il n'y a aucun avantage. Aucun avantage. Oh, on va à Hollywood. Ah non, Hollywood. C'est dommage. Hollywood. The British Hollywood. Ah là là. On se fane la gueule, quoi. Ah, mais on prend le Fury. Bah oui, faut bien. Eh, hey, mais Dieu, le faire comment? Et il a pas de nageoire le camion, hein? Il colle, lui. Ça tourne pas mal, hein? Hé, hey, peigne cul! Hé! Hey. Mais Dieu! Je suis insupportable. Je suis insupportable. On va où? Ah ben à Hollywood. Attends. Mais putain, mais le trajet, j'ai l'impression qu'on l'a fait en 2 minutes là, vraiment. Putain, il y a que des musiques qui sont bien, enfin bien, qui sont passables. Ouais, moi, j'ai ma playlist là de. De nos copyrights sound, NCS. Ouais, Non, parce que détrompe-toi. Hein. Les playlists NCS, quand tu les mets, il y a des musiques copyright dedans, donc c'est de la merde. Moi, je mets du Vexento. C'est un DJ qui fait des musiques no copyright, qui sont réellement no copyright et qui sont très cool. Non mais NCS, je suis sûr, je crois qu'il y a encore Spectre qu'ils ont sur plein de playlists et tout. Mais c'est leur chaîne n'a aucun sens en fait. Ça s'appelle No Copyright Sound et tout est copyright. Genre Alan Walker. Au début ça l'était pas quoi. Alan Walker, toutes les musiques qu'il a fait, elles étaient pas copyright, maintenant elles le sont. Bah oui, forcément. Il est devenu célèbre. Faut bien qu'il se paye. Bon, enfin, je pense qu'il s'est largement payé avec. I'm fading. Je fais du deux roues, tout va bien, c'est contrôlé. C'est un peu la musique qui est en train de passer sur Truckers FM. Sérieux? Non, je suis un génie. Ce qui me fait trop rire. Je te souhaite une bonne soirée, je reviendrai plus tard. Pas de soucis, Black, à tout à l'heure. Jason, t'as pas pris le point d'interrogation. Hop, bah tant pis. Ok. Tout à l'heure, Black, merci. Merci de ta venue. Si jamais tu reviens pas, je te dis à bientôt. Sinon, à tout à l'heure, beau gosse. Oh, tu t'es endormi, Zarox, ou quoi? Et tu disais, Jason, pardon. Je disais que la première fois qu'elle était passée, cette musique, j'étais comme ça, à la radio. Je la connais. Ça fait 3 ans que je l'écoute, en fait, MDR. Ouais, mais après, avant, il n'y avait pas les paroles. Il y avait juste la musique. Là, il a rajouté... Voilà, c'est tout. Et ça, c'est copyright. Bon, c'est copyright à mon avis parce qu'il y a une chanteuse. Et je pense qu'elle a dû demander du coup. Mais toutes les musiques de Alan Walker ne sont. Je sais pas si elles sont toutes copyright.
Je pense que si on veut. On peut accélérer là, c'est bon ou pas? C'est sans doute un studio qui est passé par là qui a fait. Ça sent l'argent là. M prod, tu veux dire? M prod. Un rapace, je dirais. M prod, ouais. Ouais, moi je suis prod. News incroyable. Tu sais, mon prof de qui a fait. Les recherches. À Quicksilver, je sais plus trop quoi. Ah oui, celui qui a fait des recherches approfondies pour les vidéos TikTok là. Ouais, et tout. Ouais. Eh ben, il s'est fait cambrioler son magasin de vêtements. Voilà. Il est un magasin de vêtements ? Ah ouais, le mec a un double business. Ouais. Double business, c'est un il travaille dans le marketing digital, non ? Un peu, ouais. Il fait du coaching en développement personnel aussi, non? Oui, j'en suis sûr. C'est terrible. Sûr, il fait ça. Je suis sûr, il présente des webinaires en ligne. Ah, mais c'est sûr. Déjà, il travaille au Purple Campus, donc. Oui, non, mais ça, c'est un club libertin, on te l'a déjà dit. C'est terrible. Purple Campus, c'est n'importe quoi. C'est le club libertin pour étudier les clubs libertins. Mais ça me termine, mec. Ouais, je suis coach en marketing digital, ouais, c'est vrai. Coach en marketing digital. C'est un level au-dessus, là. Oh, putain, mec, c'est énorme. Genre, ce semestre-là, on a un projet chaque semestre, et ce semestre, on fait un accordeur. Première fois qu'on peut choisir notre projet, yes. Un accordeur ? De guitare. Ah, de guitare, ouais. C'est ce que je me disais, ok. Et c'est stylé, en vrai, ça. Mec, mais on avance tellement vite. Genre, tu vois les autres groupes. Nous, on a déjà terminé le schéma. Il faut faire le routage de la carte. Donc, faire la carte, quoi, en gros. Ouais. Mais le schéma est fini. T'as les autres groupes. Ils commencent tout juste le schéma. Oh, putain. Ils ont l'air d'être nazes un peu, quand même. Hein. D'avance, tu vois. Non, c'est juste qu'ils vont en mode bah les couilles, tu vois. Donc, ah oui, ils travaillent pas, quoi. D'accord. Ouais, le projet, on doit le finir 3 semaines après les vacances. Voilà. Sachant qu'il faut faire le schéma, du coup. Nous, c'est déjà fait. Faire le routage de la carte. Faire le routage de la carte. Faire sortir une carte. Donc, l'imprimer. Et souder. Et coder. Mmh. Et, oui. Et voilà. Et le prototype. C'est déjà pas mal. Après, présenter au prototype, quoi. Et après, il faut présenter, voilà. Après, ligne de production, donc, marketing digital, millionnaire. C'est aussi simple que ça. Ouais. J'ai une micro. Pas convaincu du tout. Ouais. Putain, mais on est arrivé, quoi. On va pas concurrencer les Chinois, quoi. Mais notre accordeur, il aura écran tactile et tout. Oh. Attention, ouais. Truc qui sert à rien, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que t'aurais mis une LED qui clignote en vert quand c'est bon et en rouge quand c'est pas bon, c'était... Voilà. L'écran prix de production de l'accordeur, 695 euros, TTC. Prix de vente, 800. Je pense on doit pas être loin des 100 balles. Hein. Ah oui, d'accord, oui, donc c'est pas du tout rentable. Parce que l'écran coûte, je crois, 80 euros. Après le reste... C'est une catastrophe. Ils avaient parlé de rentabilité ou pas dans le projet? Ah non, faut juste faire un projet. Non. Bon, la plaque est or. Sinon, on a fait appel à une joaillerie là de Paris. Elle nous a fait les incrustations de diamants. Bon, c'est du 24 carats, enfin logique. Hein. On va pas faire de la merde non plus. Putain. Non, ouais, c'est un bon c'est un projet cool, quoi. Mais ouais, tu m'étonnes, c'est grave cool. Il y en a d'autres, ils ont même pas commencé leur truc, quoi. Ah, et nous, c'est le projet le plus compliqué. Concrètement, tous les autres, c'est bon, bah on fait clignoter une LED. D'accord. Bah, en même temps, Jason, tu m'excuseras, mais c'est déjà bien aussi. Enfin, moi, je trouve ça bien aussi. Hein. Très simple d'utilisation. Vert, c'est bon. Rouge, c'est pas bon. Faire clignoter une LED ? Bah non, mais tu mets une LED verte quand la corde est accordée. Non, tu mets une LED rouge quand. Nous, on fait l'accordeur. D'autres groupes, ils font pas du tout un accordeur. Ah, d'accord, je pensais que c'était un TP accordeur où tout le monde devait faire un accordeur. Non, c'est chaque groupe fait son projet, comme le projet de terminal. Oui, bien sûr. Ouais.
Mais voilà. Et du coup, nous, on fait un accordeur. Et d'autres trucs, et d'autres projets, c'est beaucoup plus simple. Bon, voilà, quoi. Ok. Sachant qu'il faut lui rendre... il faut lui rendre la nomenclature de tous les composants avant la fin de la semaine prochaine, parce que c'est les vacances après. Et il les commande, c'est le... il paye ? C'est qui c'est qui paye ? C'est vous ? C'est... C'est limité. Ah ouais ? Mais, vous... mais genre, si demain... Mais non, mais attends, mais ça me tue, parce que tu pourrais sortir un projet à 5000 balles, il dirait oui ? Mais non, quand même pas, il y a une limite. Ah bah je budget, sais pas. Vous avez combien de limites ? Mais... je sais pas, mais... je sais pas. Ça c'est l'UT qui gère, j'en ai aucune. Vous avez un ouais. Vous avez un catalogue où vous pouvez choisir les composants? Oui. On va sur D'accord. les sites RS ou des... Farnell ou Mauser. Ah mais vous pouvez commander sur AliExpress ou pas? Non. D'accord. Ça enfin, c'est nul par exemple, tu vois. Complètement con parce que il y a le truc qui serait très bien. Il y a des composants qui sont de très bonne qualité sur AliExpress, Jason. Hein. Ouais, mais il y a un problème, c'est les délais de livraison aussi, en fait. Non, mais d'accord, ok, mais si tu t'y prends à l'avance, ça coûterait moins cher à l'IUT et vous pourrez faire beaucoup plus de projets. Ouf, c'est pas l'argent qui manque. Ah bon, d'accord, parce qu'au lycée Monteil, par exemple, tu vois, tu m'excuseras, le prof, il disait, ouais, on peut pas, on n'a pas le droit, et c'est bon, hein. Ils ont un budget tous les ans, ils en font ce qu'ils veulent de l'argent, donc... Ah, mais je suis arrivé. Oui, mais je te dis, le trajet, on l'a fait en 2 secondes, là, mec, je suis un peu déçu, là. Je sais que ça va être un peu plus long. Non, mais concrètement, on peut acheter des composants sur AliExpress. Quoi. Vous pouvez, ok. Allez, vas-y, nique ta grand-mère là. Putain. J'ai pris que 2%. Mec. Jason, attends, je me suis foutu en l'air. Ah. Mais pas qu'un peu. Et j'ai pris que 2%, hein. Je vais te dire aussi pourquoi on n'achète pas sur AliExpress. Pourquoi l'IUT n'achète pas sur AliExpress. Bon, déjà, le délai de livraison est beaucoup trop grand. C'est trop compliqué de gérer pour les projets et tout. Donc voilà. Bah non, si c'est prévu à l'avance. Ils peuvent pas le prévoir trop à l'avance des fois. Si t'as un projet, concrètement, tu peux pas prévoir les composants que va utiliser le projet, quoi. Et ensuite, ouais. Des fois, on crée des. C'est. Sur le logiciel de PCB, c'est nous qui créons le footprint de l'imprimante. C'est-à-dire, on dit que ce composant, il a cette forme-là, que pour le, tu sais, quand tu vas faire la carte et tout, ça va être. Et vous pouvez créer vos propres PCB ? Ah oui, on fait ça. C'est trop classe, mec. Et du coup. Oui, du coup. On fait nos propres PCB et tout. Et concrètement, si on achetait sur AliExpress, ce serait impossible de retrouver des fois des références parce que. Non, mais d'accord, mais il y a des trucs que tu pourrais très bien commander, genre ton écran par exemple. Tu peux très bien le commander sur AliExpress. Oui, l'écran, oui. Mais après, l'UT ne commandera pas sur AliExpress. Parce qu'il y a toujours un problème, la TVA, tout ça, etc. Aussi. Quoi la TVA? Mais tu la paies pas trop quoi la TVA des fois sur AliExpress, t'achètes plus de 40 euros. Et alors pas, je crois. Mais tu t'en branles. Et alors, l'unité, si se tape un contrôle fiscal, il est bien dans la merde. Hein. Connerie, hein. Encore une cousine américaine ça. Coup des Chinois, ouais. Mais, bon, par contre, comment tu t'es garé là en fait? Parce que je me suis mis tout droit, nickel. J'ai fait le tour. Genre, j'ai fait vraiment un grand tour. Genre, en gros, je suis arrivé comme ça. Là. Je suis arrivé, j'ai pris comme ça. Alors, je vais pas passer par ma truc, sinon je vais prendre des dégâts. Et j'ai fait un grand tour. Vraiment, je suis allé mordre l'herbe qui a. Je vais passer. Qui a juste ici, tu vois. Ouais, voilà, comme ça. J'ai mordu l'herbe et je suis venu tout droit et ça passe. Yes, c'est bon. Non mais tout à l'heure j'étais juste à mon avis un tout petit peu décalé. Et tu sais que j'ai pris que 2% à l'arrivée là. Hein. Sinon j'étais nickel. Hein. Non mais après, concrètement on fait tout. Hein. On fait schéma, PCB, on imprime et tout. Ouais.
C'est bien, c'est cool. On soude les composants, CMS et tout, etc. Ça, c'est etc. cool. Question des camions. Je vais te dire, je t'ai pas montré, mais non, je t'ai pas montré, c'était l'année dernière. J'avais fait une carte et tout l'année dernière, on avait commencé à faire, on avait un projet de faire une carte. Je l'ai. Attends, je t'ai envoyé. C'est le Magnum Excellence. Voilà. Je l'ai envoyé sur Discord, si j'arrive. Ouais, j'irai voir après, tu vois, parce que là, ça bug pas. Donc, je vais éviter de, hein, de le brusquer, si ça t'embête pas. Raison. Hein ? Là, le Discord bug pas, il n'y a aucun bug, ok ? Donc, je vais éviter de le brusquer, le PC. Je touche à rien. Le stream bug pas, il n'y a pas de bug, y a... ok ? Donc, Et après, tu peux regarder avec ton téléphone ou quoi ? Mais non, il filme, trou du cul. Ah, putain. Et tu crois que je suis filmé comment ? Bon, Jason, j'achète une camion, là. Tous mes garages sont pleins. Ah non, j'ai agrandi celui de Lutsk. J'en achète un là-bas. J'en achète un deuxième ou pas ? Je peux pas te les envoyer par Discord, ils sont trop lourds. Eh ben, tu me l'en... tu plottes sur Mega et tu m'envoies le lien Mega. Si tu... tu disais quoi, Théo ? J'achète un deuxième camion ou pas ? Il me reste 270 000. Ouais, me prends-toi un chauffeur. Ouais. Là, je viens d'acheter deux camions, du coup. Ah, t'as acheté deux camions ? Ouais, il me reste encore 150 000. Je vais peut-être m'acheter une remorque, du coup. Alors, attends. J'ai profit en 7 jours, 1 million. Ouais, moi, c'est pareil. C'est une merde. J'ai payé de malencontreusement. 1 million 238 000. J'ai pas le droit de rire ? Putain, quoi. Gestion des chauffeurs. Ah non, gestion des camions. Alors attends, je teste un truc là. Je t'en prie, vas-y, hein. Pas de problème. Je t'ai envoyé un lien photo app Google et tout qui proposait de créer un lien pour t'envoyer les photos. Je sais pas ce que ça donne. J'irai voir après. Je sais pas que je veux pas, Jason. Tu sais bien. Si ça marche. Oui, je te dis, c'est pas que je veux pas. Hein, c'est... Mec, je peux employer une meuf qui s'appelle Gertruda. Franchement, ça part sur un direct. Emploi direct, non direct. Bon, après, c'est une femme, hein. Alors bon. Est-ce que vraiment je prends le risque ? Gestion des garages, il me reste combien de places là ? Là, il me reste une place et il faudra que j'améliore celui-là aussi. Alors, Jason, j'ai une fille qui s'appelle Ellie qui est très moche. J'ai un chinois sinon. Oh, il a une petite bite. C'est pas... On veut pas les petites bites à l'entreprise. Hein. On veut que des énormes chibres. J'ai. Moi, faut que je trouve quelqu'un avec éco-conduite. Et trajet long. J'ai Paul F. Il est moche, mais il a deux trajets longs. Donc. Mais bon, vu qu'il a une sale gueule, tu vois, ça fait bien bof. Jason, je dispose actuellement de 13 camions. Dont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Renault Magnum. Enfin, mec, attends. Le Renault Magnum, d'accord, il a 440 chevaux. Le Mercedes New Actros, qui coûte une blinde que j'ai payé pour un de mes employés, il a 421. Donc, bon. Le Renault Magnum, là, 125 000, le deuxième moins cher, il a 440 chevaux. D'accord. Ouais. Le New Actros, Mercedes New Actros, qui est un des plus chers de chez Mercedes, il en a 421. Après, peut-être que tu peux faire plus d'amélioration, comme toujours, tu peux améliorer plus le moteur, je sais pas. Bah d'accord, mais... Il y en a un qui est peut-être plus spécialisé pour la marchandise spéciale et tout. Tous mes employés, là, Jason, ils sont à 2000 de profit journalier. Hein. 2, 4, 6... J'en ai un qui a 2300, hein. Là, attends, c'est simple. Ça fait 1000, 3000, 5000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000,
13 000. Je suis à 13 000 euros de profit journalier, Jason. Je me suis trompé de camion. C'est pas... Je suis à 13 000 euros. 13 000 euros. Et actuellement, j'ai 11 000 euros de mensualité bancaire. Donc, je suis rentable. Ah ouais. J'ai trois prêts à la banque. Un de 400 000 et deux de 100 000. En vrai, je pense que je vais faire un autre prêt de 100 000. Ouais, je vais faire un autre prêt de 100 000. Je vais mettre... Ou alors, je fais quoi? Est-ce que je prends des remorques ou j'achète de nouveaux employés? J'ai pris une meuf, là. Elle est tellement rentable. On parle de rentabilité sur des humains. Ça me termine. Jason, qu'est-ce mais que là, je fais là, il a toujours... Mais le mec, il a toujours pas fini sa course, quoi. Putain, il finit quand, quoi? J'ai 250... Là, j'ai 250 000. J'ai refait un prêt de 100 000 à la banque parce que bah, je suis rentable, donc autant en profiter. J'ai actuellement 250 000 de côté. Soit je rachète deux camions Renault, ou alors j'achète une remorque. Soit deux camions Renault. Ou alors je vais peut-être acheter un camion, une remorque. Peut-être je peux acheter une remorque. Attends, elle coûte combien là ? Des remorques, j'ai 5 frigorifiques, Jason. Mais par contre, attends, j'ai une frigorifique à Lutsk, mais personne ne l'a prise. Par contre, ce serait bien que je custom toutes mes frigorifiques et tout quand même. Hein. Que je custom tous mes camions aussi. Aux couleurs de mon Enterprise. Oula, Christian, il a une mauvaise tête. Là, lui, il va mourir d'un patron. Hein. Oh, je suis désolé, il a des cernes. Oh, mon putain. Gars, c'est pas des cernes. Là, c'est des ballons de basket. Là. Ok, mec, une frigorifique. Alors, en vrai, je peux acheter... Attends. Ah, ça va être chaud. Attends, je peux faire un prix de 10 000 aussi en plus. Hop. Ah, mais je peux faire un autre prix de 10 000 encore. Vas-y. Ça me fait rire, il y a une fille qui s'appelle Emilie S que je peux embaucher. J'ai une pote qui s'appelle Emilie Sartrand. Voilà. D'accord, bon, on l'embrasse. Hein. On l'embrasse. Oh, bah, bon. Lucas P. J'ai un pote qui s'appelle Lucas Prade. T'es insupportable, Jason. Est-ce que je préfère... Oui, j'achète une remorque du coup. Déjà, non, je peux acheter. J'achète une remorque et un camion du coup. Ouais, fais ça au pire. Mec, la frigorifique double, elle coûte 236 000. Elle est chère. Ah, mais je comprends pourquoi la meuf elle est ultra rentable. C'est elle qui a mon camion ancien. Customisé avec les flammes. Quoi? Oh, c'est gênant. La remorque, je l'envoie où? Je l'envoie à ce qu'est l'FTA. Ah, mais j'ai... Ah non, il me semblait que j'avais un garage dans les pays arabes. Faudrait que je m'achète un garage en Islande. Putain, faudrait que je m'améliore, moi, un garage, là. Est-ce qu'on même pour améliorer le garage déjà 100 000. 100 000, ouais. Ouais. Putain, ça. Tant pis. Bon, mais je viens d'acheter ma remorque. Je vais acheter un camion. J'ai fait 5 prêts de 10 000 en plus. Putain, c'est ouf. Genre, tu vois le explorer, 19,66%. Mais pourtant, on a... Ah non, mais il y a plein de parties où genre on n'est pas allé. Déjà l'Espagne moi j'en ai pas beaucoup fait. Pourtant on en a exploré quand même. Hein. Ouais mais vous avez fait tout le Portugal avec Rémi. Oh tout. Mais... c'est un grand mot. Enfin, vous êtes descendu vous avez fait. Moi attends je vais te dire on a fait. Mec moi ma carte elle est toute jaune hein, quasiment. Hein. Je suis à 20,58% moi, perso. Ouais. On a fait Valladolid, Salamanque, Sevilla, Algeciras. On a fait tous les bords, tout le bord et on a fait un tracé milieu. Mais j'ai Madrid, Porto, Vigo, Cardou, Meguibar, El Ejido, Malaga, tout ça j'ai pas fait. Oh non mais j'ai été kick. Oh putain, mais j'étais kick alors que...
Alors que j'avais, je m'étais j'avais rallumé mes lumières et tout. Alors attends, du coup, j'aimerais 150 000. Il y a les pays arabes qu'on a fait un peu, tu sais, vers... Ouais, mais je pensais avoir acheté un garage là-bas. Oh non, je peux plus acheter de camion, j'ai plus de place. Ce qu'on n'a pas fait, c'est le pays qui est au sud de l'Ukraine, si je me trompe pas, ouais. Celui-là, on n'a pas fait, quoi. Oh non, il faut que j'achète un garage, Jason. C'est là. Ou alors, il faut que j'améliore un garage. Moi, je les améliore tout le temps, les garages. Je me dis, autant les améliorer avant d'en acheter un. Au moins, t'as le max. Et t'es pas emmerdé. Un voyage rapide. Moi, j'améliore mon garage de Milan et après, je m'achète un garage à Toulouse. Ouais, t'as bien raison. J'ai bien envie de descendre là en. Et je me mets dans mon garage de Toulouse parce que c'est bon, quoi. Milan, au bout de moment. Je pense que. J'ai un garage à Toulouse. Soit je me TP en Espagne et j'achète un garage en Espagne, ou alors je vais en Islande et j'achète un garage en Islande. Ah, on peut avoir un garage à Golfech. Non, on prend Toulouse. C'est à côté de chez moi. Bah, ou alors j'achète un garage dans les pays arabes. Irak. Putain, tu peux en acheter plein. En Irak. Ouais. Ou en Syrie. À Al-Qaïm. Ou à Adita. Ou à It. Jérusalem. Ouais, il y a du choix. En Allemagne, là, il y a toute une truc où t'en as plein. Ou alors, attends, parce que là, c'est simple. Attends, on peut voir mes garages ou pas? Gestion des garages. Je vais prendre un garage à Manheim. J'ai un garage à Toulouse, un à Skelleftea, donc en là-haut, là, par là. Ouais. Et un à Lutsk. Est-ce que j'en prends en Espagne ou est-ce que j'en prends un dans les pays arabes? Franchement, fait pouf pouf, concrètement les deux sont bien, quoi. Pour moi, ouais, je me... après ouais, t'as Toulouse à côté de l'Espagne, je prendrais plus arabe. Ouais, vas-y, je vais me TP à Jérusalem. Moi je ferais arabe game. Et après Espagne, tu vois, ou même Portugal plutôt même. Ça me coûte quand même un peu cher, hein. Je peux pas me TP à Jérusalem là. Ouais, je rapide si Jérusalem. Et 6000 hein, quand même. C'est combien le prix d'un garage? Oui. Alors ça. Parce que là, s'il faut, j'y vais pour rien. Bon. 80 000, je crois, un truc comme ça. Oh non, putain. Je suis abattu. Il me reste que 148. Ah, il faut 180? Je sais pas. Je vais voir. Je passe ma marquée là. J'ai les coûts d'amélioration là, mais pas plus. Quoi. L'amélioration, c'est 100 000. Les garages, c'est des trucs en verre là, non? Ouais. Il n'y a pas de neige du coup, ouais. Oui, forcément. Il y a un garage là, parfait. Yes, je viens de prendre 10%. Impeccable ça. Nickel. Oh, impeccable. Ah, ça me crée un replay. D'ailleurs, mon petit plugin là qui crée des replays dès que j'ai un accident. J'ai regardé, tu sais ce que ça crée comme replay. Les replays, mec, ils sont en 360p 20fps. C'est une horreur. Ils sont illisibles. C'est une horreur. Tu peux pas le régler? Non. J'ai regardé, pourtant j'avais mis 1080p avec un gros débit et tout. C'est combien pour acheter? Oh, c'est 180. Toi, il te tarde non qu'il y ait la Russie. Ouais, de ouf. Ça va être trop bien la Russie. Ça va être grave cool. Bon, d'ici là, ce sera l'Ukraine aussi, la Russie, mais. Acheter des garages. Ah, mais on peut acheter des garages. Oh, j'avais pas vu, il y a une carte spéciale pour acheter des garages. Ah, c'est grave cool. Du coup, il y a des garages qui sont plus chers que d'autres ou pas? Non, ils sont tous à 180 visiblement. Oh, je suis dégoûté.
I'm very ouais, dégoûtée. C'est pas toi qui décide. Oh, t'as mis du temps à sortir ton son, mec. Presque on t'a entendu être là en mode qu'est-ce que je vais mettre. Oh non, pourquoi j'ai ma bandelette qui est passée en bleu. Attendez les amis. Deux petites. Merde, j'ai zoomé. Putain mec, j'ai commencé là mon diapo là pour l'IUT là pour tu sais mon compte rendu de l'alternance et tout. Et mec, je t'ai fait un truc aux petits oignons. Incroyable. Transition, genre, effets spéciaux, flamme. Ouais, non, mais... Presque. Genre, sur. J'ai fait une chronologie de l'entreprise. Et wow, genre. Suceur. Ça avance petit à petit. Oh, tu cliques, il y a ça qui arrive. Hop, ça. L'entendez ce suceur là. Oh là là. Et la suite et tout. C'est incroyable. Je me suis chauffé, quoi. Ah ouais. Putain, il a fait le diaporama, il avait sa bite entre les mains, quoi. Il était on fire. Bon, tu t'arrêtes ou t'en fais un non, petit dernier rapido? Ah, moi je m'arrête là, je suis désolé, je suis crevé. Peut-être. Pardon, excuse-nous. La FIR, à Enedis, c'est la force d'intervention rapide d'électricité. On dirait un sketch des inconnus. Tu peux chercher. C'est vrai. Allez, demain, on fait du Minecraft, eh, Jason, eh? Torpel. Du Minecraft? Bah, eh, malheureux. Tu vois quoi, quoi? On va prendre notre revanche sur les zombies, quoi. Avec Rémi, cette fois-ci, j'espère. Il ne chale là, hein, comme on dit. Hein. Bon, il m'avait dit qu'il savait pas s'il était là. Hein. Il m'avait dit oui pour ETS, oh. Mais... Tu avais dit peut-être pour Minecraft. Je viens de faire un petit drift, là, au calme. Ça bug, là, quand qu'est-ce je suis en transition. Pour la semaine prochaine. Oh, lundi, c'est sympathique, ma foi. Mardi, c'est quoi c'est... Oh putain, j'ai ce compte de Changani. En plus, j'en suis sûr, c'est les Vals. Je vous demande bien ce qu'il va nous faire faire. Ouais. Ensuite, mais du coup, moi, je m'intrigue sur mon micro. Du coup, je peux pas parler quand je suis trop loin du micro. C'est ça, non? Enfin, c'est un micro qui capte pas. Qui capte pas le ring, oui. D'accord, ok. Ah oh, putain, après le cours de Java, là, enfin l'évaluation de Java, j'ai. Tu fais la danse? Cybercan. Non, arrête. Non, c'est une blague? Quoi? C'est vrai? De quoi? T'as vraiment Idriss Aberkane, t'as une conférence d'Idriss Aberkane? Mais non! C'est le prof qui travaille. Ah oui! Je l'appelle Idriss Aberkane. D'ailleurs, Idriss Aberkane, il va être poursuivi en justice là pour malversation financière oh non, et évasion fiscale. C'est terrible. J'avais pas vu, mais on va être mélangé avec un autre groupe. Où on dur. Va être tellement nombreux dans la classe. Ah, le Covid, il va adorer. Le Covid, Jason, putain. Tu sais pas, toujours pas parler, c'est dingue. Hein. Le Covid-19. C'est terrible. Qu'est-ce que je voulais dire? Jason, qu'est-ce que tu me conseilles de faire, là? Maintenant. Qu'est-ce que je fais? Et si vous tente, les amis? On fait quoi? Et Jason, là, qu'est-ce que tu ferais, toi? Il est con, ce gars.
Écoute, Sugo. Moi, franchement, je me poserai tranquille sur un petit jeu tranquille. Ouais. Ça aide pas du tout. C'est terrible. Je sais pas, genre pas un truc où faut tuer des zombies, quoi. Un truc où faut chasser des Pokémon. Je sais pas, un petit Call of Duty, quoi. Alors, pas la même définition, tranquille. Je sais vraiment pas qu'est-ce que j'aurais. Un petit Pokémon. Ouais, c'est vrai, je pourrais faire du Pokémon un peu. Après, t'as. Je sais pas si t'as Animal Crossing. Ouais, c'est vrai que j'ai Animal Crossing aussi, ouais. Ça fait longtemps que je suis pas allé en plus. T'as toute une. Une gamme, une sélection même de petits jeux aux oignons. Hein. Tu peux commencer un jeu de gestion. Alors, c'est pas le bon moment. Hein. Tard dans la soirée, tu gestionnes très très mal au général Le Maigné. Clairement, là, tu me fais. Vas-y, go, on va sur un jeu de gestion. À 4h du match, je peux y être encore. Mec, ça te dit qu'on est sur Evil Genius ? C'est un jeu de gestion ? Alors, non. Parce que à 4h du match, j'y suis encore. Hein. C'est un jeu de gestion, Jason. Tu devrais essayer. Allez, on teste juste 10 minutes. Attends, il est sur le Game Pass. Je sais pas si on peut jouer en multi. Non, oh, non, ça c'est une mauvaise idée. Mais c'est un super jeu, on teste 10 minutes. Non, Théo. Jason, 10 minutes promis, on met un timer. Tu sais quand est-ce qu'on testera ? Dis-moi. On testera, et attention parce que après je pourrai pas jouer pendant 2 semaines. Oui. Jeudi. Jeudi. Parce que jeudi... Je n'ai pas cours. De toute la journée. Donc, jeudi, je note. Sauf pendant une heure, mais je ne sais pas si c'est obligatoire. De quelle heure à quelle heure, dis-moi. Live jeudi avec Jason. De minuit à minuit. Quand je suis réveillé. Non, mais de. On se dit. Je peux ce jour-là exceptionnellement commencer plus tôt. Je sais pas, attends, je regarde. Jeudi, ouais, j'ai un truc apparemment de 5h30 à 6h30. Ah, c'est emmerdant ça. À 5h30. Eh ben, pourquoi on fait pas. On fait pas. Attends, tu dis. Pourquoi on fait pas avant 5h30 et après, on fait une pause et tu reviens après. De quoi ? Ouais, mais à 6h30, je pense de 5h30 à 8h. Si j'ai le cours. Du coup, de 5h30 à 8h, il y aura une pause. Parce que du coup. Eh ben, on stream avant et après, quand tu reviens après manger, on continue. Ouais. Et on trouvera quoi faire. On testera des jeux, mais on fera pas que du Evil Genius. Evil Genius, honnêtement, je suis un fan de ce jeu. Mais je le trouve extrêmement complexe. Je l'ai testé. Je trouve que la gestion est assez complexe dans comment bien gérer les trucs. JK. On peut jouer à multi, comment ça marche quoi. Je sais pas, je crois pas. Ah non, mais c'est emmerdant quoi. C'est ça que le truc. Ouais. Sinon, on commence notre ferme sur Farming Simulator. Oh voilà. Bon, on verra bien. Je sais pas, y réfléchir et on se recontacte. Quoi, tu vas y réfléchir et tu m'as dit jeudi. C'est bon. Non, mais oui, non, mais jeudi, mais je sais pas ce qu'on va faire du coup, j'ai pas envie. Ah, mais d'accord. Je t'enverrai des propositions. Je regarderai ce que j'ai, ce qu'il y a sur le Game Pass, ce que j'ai de mon côté. Et voilà. Je passais sur mon casque, c'est normal. Ouais, Lucas, bientôt 1000 heures de stream. Je vais démonter le setup ETS. Et Jason, oui, on se tient au courant. Je te ferai des propositions. D'accord, de ce que j'ai sous la main. Et puis voilà, on va bien attendre avec les 500 jeux qu'on a, on va bien en trouver un quand même. Oui. Mais ouais, là un petit farming ça pourrait être marrant. Je mettrai de côté ça. Je regarde. Farming, et du coup si on fait un farming. Farming le combien, lequel ? Et je sais pas, celui du Game Pass ou celui de Epic sinon.
Il est sur le Game Pass. Et je crois il y a le 19 ou le 20 sur le Game Pass. Bon, j'espère que j'aurai 7 gigas pour pouvoir le télécharger encore. Oh, arrête un peu quand même. Tu le mettras avant. Alors, on regardera lundi, comme ça tu mettras sur une... T'as pas une code merde là que tu peux tirer? Ouais, mais en fait... À l'IUT, tu peux pas DL sur un disque dur externe? Mais bien sûr, t'es ouf. Mais oui, quand même, tu crois que j'y pense pas, mais à l'IUT. Mais je suis pas sûr, parce qu'il me faut, limite un VPN à l'IUT, il bloque plein de trucs. Oui, je vois, oui, je connais, c'est des trucs, je vois ce que c'est. Il y en a dans les hôpitaux aussi et tout. Mais il bloque pas zone de téléchargement. Il bloque pas quoi? Zone de téléchargement. Ok, c'est impeccable ça. Épique. Bon les gars, ils attendent et des jours. Et moi je te propose... je regarde sur Epic là. Non mais il faudra regarder Jason dire... parce que si jamais on y joue, il faudrait qu'on y pense pour faire un serveur. Et oui, c'est pour ça que je te dis ça. Bon, moi j'ai un petit souci, c'est que actuellement je peux pas trop accéder à mon serveur qui a moins de Marsan quoi. Et pourquoi faire et pourquoi une histoire de sécurité quoi. Concrètement. Et pourquoi? Concrètement. Hein? Quoi? C'est vraiment que je t'explique. Vas-y. Avec Rémi, Rémi m'a fait installer plein de sécurité par feu, etc. Oh putain. Et moi j'avais pour pouvoir se connecter au serveur, faut obligatoirement passer par un VPN. Ah c'est ok. Une sécurité que j'ai mis, que j'ai voulu et tout. Ok. Parce que c'est le but d'un VPN à la base en fait. Concrètement, c'est ça. Oui. Donc le VPN, j'avais fait un VPN sur le port 2222, si je ne me trompe pas. Ok. Je crois que c'est ça. Donc on devait se connecter sur le port 2222. Mmh. Parfait et tout. On bloque tous les ports sauf le 2222 et le 80. Oui, logique. Qui est pour la co, oui. Pour oui. Le site web. Moi j'étais comme ça, putain ça fait chier, l'IUT il bloque plein de ports, mais le 443 il le bloque pas parce que c'est aussi le port HTTPS. Oui HTTPS du oui. Du coup je me dis bah, j'ai qu'à mettre le VPN sur le port 443. Quelle bonne idée que j'ai eue. Donc j'y vais, je me connecte sur Raspberry Pi, je vais dans VPN, je mets 443, je redémarre Raspberry Pi et je peux plus y accéder. Pas modifier le port sur le pare-feu. Aïe, bien joué Jason. Du coup c'est bloqué. Du coup c'est bien sécurisé. Bah oui non c'est juste que t'es con. Peut-être un peu trop. Non c'est pas bien sécurisé, c'est juste que t'es con Jason. Hein. Mais le mec, ah il oui essaye... aussi mais. Le mec il essaye de trouver une raison. Non mais ça marche bien hein. Super hein. Impec, hein. Malheureusement, ça marche un peu trop bien. J'arrive, désolé si vous entendez des bruits un peu chiants. Moi qui tape dans mon micro comme un con. I'm back. Putain, le salaud, je vais prendre une petite douche, puis, à tout de suite. À tout de suite, Lucas. Une mise à jour. Allez hop, tu me diras juste, Jason, s'il te plaît, sur le stream, c'est pour le bip. Non, je te dis. Hop, voilà. Ok, tu pourras me dire pour le bip, s'il te plaît. Ouais, s'il y a un bip ou pas. Putain, Epic, il me casse les couilles. Il a lancé une mise à jour. Super, j'adore Epic. Tu veux que je te montre la perche ou pas, d'ailleurs? M malheureux. Attends. Putain, ils vont rajouter plein de trucs trop bien sur le Game Pass. Ils vont rajouter B-Siège. Tu connais B-Siège, le jeu où tu peux balancer des... Tu fabriques des canons et tout ça. Ils vont rajouter The Last Kid on Earth. Ça a l'air très sympa. C'est une sorte de dessin animé. Et School the Hero Slayer. Et mec, ils vont ajouter la Ultimate Survivor Edition. De Arc. Tu sais combien elle fait en poids? Non, mais tu vas me le dire. 190 gigas.
Arc. C'est une honte. Fais voir du coup la perche là. Alors... Elle est bien, elle est facilement mouvable. Ah oui, oui, alors elle est. Alors, par contre, elle est vraiment solide. Hein. C'est-à-dire que. Alors, elle est facilement mouvable. Ouais. C'est pas un truc où tu la tires, c'est tout fluide et tout. Elle tient. Elle est faite pour tenir en place. Même si tu tapes dedans, elle bouge pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, elle tient. Oh, c'est pas mal. Non, non, elle est très bien. Et il y a un contrepoids. Pas non plus. C'est bien fait, quoi. Moi, j'ai démonté mon chour. Pour mettre, je te le montre là, pour mettre l'accroche en bas, le connecteur XLR, pour le mettre en bas, je l'ai démonté. Et ouais. Là, tu vois, tu as la perche, alors je peux la tirer un peu, et tu peux la mettre full droite. Hein. Contre. Et toi, t'aimes vraiment bien la perche, quoi ? Elle est bien, elle est vraiment cool, moi j'aime bien. Toi, tu peux la mettre droite. Ah, elle est. Droite à. Droite, quoi. Et hop, tu vois, elle remonte. Elle. Là, t'as l'accroche. L'accroche est solide, sa race. Hein. Vraiment. Ouais. Et voilà, t'as les passe-câbles. Ils sont juste là. Vous voyez, vous avez les passe-câbles. Ouais, c'est... Ils tiennent bien, les passe-câbles aussi. Ouais, oui, 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 c'est des trucs en caoutchouc. Pour les clipser, ouais, c'est en gros. Et ouais, ça tient nickel. Hein. Y a pas de problème. Il n'y a aucun souci là-dessus. Putain, vraiment, elle est très bien. Après, voilà, moi, le seul truc qui m'emmerdait au début, mais finalement, c'est bon, ça m'est passé. C'est que ça, elle me fait de l'ombre tellement elle est massive. Bah oui. Elle me fait de l'ombre et du coup, ça m'a un peu trigger. Au début, j'étais en mode, ouais, mec, c'est relou et tout. Il n'y a que moi que ça choque. Et tout le monde m'a dit, ouais, t'inquiète, mec, il n'y a aucun souci. Et il te donne un contrepoids avec. Si jamais ton micro est pas très lourd, t'as un contrepoids que tu peux mettre là, une espèce de bloc de morceau en acier que tu peux mettre là. Et après, sinon, la tâche est hyper amovible. Il te donne des vis avec agrandissement là, tu sais, pour passer du 1/4 pour grossir ou réduire. T'as une petite clé à molette pour une clé Allen pour visser le. Tu sais, t'as le tube que tu visses au bureau et tu mets ta perche dans le tube. Et ben t'as une clé Allen pour visser ta perche, comme ça tu peux pas la tirer en l'air genre. Et elle tourne de manière très fluide, hein. Ça visse pas la perche, ça visse une espèce de bague en plastique et que ça te permet de bouger ta perche sans pouvoir la monter et si tu la tires, elle s'enlève pas du bureau. Ah c'est ok. C'est très bien fait. Et elle est massive, oui. Enfin elle est massive, hein. C'est une perche, elle est quali de ouf et elle est vraiment et puis vraiment tu peux la tirer mec, là si je la mets droite elle va à l'autre bout de mon bureau tu vois, donc vraiment elle est pas mal. Après elle est beaucoup plus grande que celle que t'avais avant ou ah oui c'est incomparable hein. Elle fait deux fois la taille de celle que j'avais avant hein. Ouais. Elle est immense mais ça te dérangera pas, tu le verras pas. Okay, en fait ça te changera rien du tout. Elle et ma perche que j'avais avant, elle est, je l'ai mis sur le meuble à côté de mon lit, comme ça je pourrais faire des lives dans mon lit sur la Switch et tout. Ok. Voilà, tout ça un peu bang, quoi. Mais t'aurais dû la commander sur où je l'ai commandée. Hein. Elle aurait pu arriver aujourd'hui, mais. Ah merde. Mais Amazon en a décidé autrement, je te raconte. Et c'est le coup dur. Donc ils font. Ah, mais on l'a déjà expédié du coup, ouais. Eh, connard. Oui, ils sont cons. Mais tu verras même l'accroche là, t'as une boule que tu peux bouger dans tous les sens comme sur les appareils, les trépieds ou les GorillaPod. Une espèce de bille où elle est serrée entre deux plaques en métal et tu peux la bouger dans tous les sens. Du coup, ça te donne une liberté de. On a le même système pour des PDA qu'on n'utilise plus, mais. D'accord. En tout cas, tu vois, même moi avec mon chour, avec la prise qui est quand même assez chiante pour le truc XLR là, je l'ai tourné dans l'autre sens pour être tranquille en haut et pouvoir dévisser quand je veux pour pas être emmerdé. Et c'est le top. Hein. Ouais. C'est archi le top. Bon, bah du coup, hop, je vais aller faire sur un jeu plutôt chill. On va faire un petit Call of. Non, je vais faire un petit bois, je vais faire un peu de colo, je pense, parce que le Battle Pass s'en va demain et je l'ai même pas fini, je suis un peu deg.
Ou alors, attends, il est quelle heure là? Il est tard. Demain, je dois faire quoi? À la base, demain, on est censé faire du Minecraft. Et le soir, on est censé faire du live avec Wolf. Donc, Wolf m'a pas répondu. Pourtant, je vais envoyer un super message. Je suis déçu. Bon, du coup, demain, 16h, hein, pour Minecraft. Ouais. Putain, j'avais envoyé coucou, tu viens ce soir, bébou, quoi. Et il t'a même pas répondu. Quel enculé, quoi. Putain. Vraiment un connard, ce mec, hein. Je peux pas le voir en mutation, hein. Ouais. Je peux pas l'encadrer. Ah, Pitico. Éculé. Non, mais bon. Non, mais tu vois, c'est bizarre, hein, parce que mon live, tu vois, des fois ça bug. Alors que là, depuis tout à l'heure que j'ai relancé, ça fait 1h55. J'ai 0% d'image manquée et 0% de saut d'image. Genre vraiment zéro. Hein. Qui est quand même relativement incroyable en vrai. Tu vois. Bon, d'ailleurs. Tout à l'heure, quand Rémi m'a dit ça coupe toutes les deux secondes, non, c'était pas possible. C'était impossible. Vraiment, c'était pas possible. Surtout que ça m'aurait fait chier de ouf, hein, parce que là, mec. D'ailleurs, tout à l'heure, excuse-moi d'avoir gueulé quand vous me disiez tout si buggé, c'est que c'était tellement chiant que vous entendre en plus dire hey, il est pas en train de bugger là. Putain, mais on comprend rien, quoi. Il bug, hein. J'étais là, tu sais, dans ma tête, j'étais là en mode oui, je sais que ça bug, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. Hein, je bug. C'est drôle, on rigole. Non. Tu te calmes, Jérémy. Petit con. Petit con. Oh, c'était faux. Même avec de l'autotune, c'était faux. Attends. Deux secondes. Et ma gourde qui... Ça s'est entendu ou pas? Un peu. D'accord, hein. Bec, je te remercie pour l'info. Je vais passer là-dessus. Mais c'est bizarre quand Rémi est pas là en vocal, ça bug plus Discord. Je crois que c'est lui, hein, qui nous fait bugger. Putain, quand. Quel connard, il nous a hacké en fait. T'es hacker toi un peu, non? Non? Caf, paiement de 330 euros par mois que vous oubliez peut-être de réclamer. Alors sache que ouais. Tu sais que j'ai eu une merde moi ce mois-ci. Oui, mais d'activité. Attends. Donc, je renomme mon titre. Ok. La CAF m'a rien donné ce mois-ci. Parce ouais. Que, à ce qui paraît, j'ai oublié de faire ma déclaration de ressources annuelles. Sauf que quand je vais sur leur site, oui. Que je veux la faire, ils me marquent. Nous avons déjà toutes les informations vous concernant. Bah, go aller là-bas. J'ai déjà fait. J'ai pas été payé du coup. Je survis. Et à côté, t'as Balkany qui s'échappe de France avec 900. Avec 1 million. Et puis. Mais t'as pas eu les emails et tout pour faire ta déclaration de ressources? Non, j'ai eu aucun email. C'est une erreur informatique. Oui, ben je sais, mais si tu veux, MDR, je passe pas ma vie à réfléchir si. Non, mais si je l'avais pas eu. J'ai complètement zappé. Enfin, j'ai pas que j'ai zappé, j'ai eu du retard, certes. Mais c'est dégueulasse de parce que du coup, là, mec, le délai. Du coup, je vais me prendre des frais pour tous mes paiements plusieurs fois. Bon, je préfère... J'ai bloqué ma carte bancaire. Comme ça, ils peuvent pas prendre dessus. Parce que ils vont me prélever... Ils vont me mettre à hauteur de 8%. Donc, ça me fait à peu près 40 balles de frais. Ouais. Si jamais là, tous mes paiements plusieurs fois avaient fait le prélèvement... Il avait pris à ma banque, c'était pas 40 euros que je me prenais de frais. Hein. C'était. Je sais pas combien, mais. C'était genre. Plusieurs centaines d'euros. Hein. Parce qu'une banque, quand tu dépasses ton découvert et que. Parce que déjà, je sais pas si tu sais, mais tout prélèvement au-delà de ton découvert, c'est 11 euros, peu importe la somme. À partir du moment où tu vas payer, admettons, ton pain
et que t'es au-delà de ton découvert, même si t'as payé avec 2 balles, ils vont te mettre 11 euros de frais, déjà. Et ensuite, ils te mettent cool. de l'argent en plus en fonction de la somme. Ouais. Ouais, bah les adjoints. Hein. Mmh. C'est pour ça, les amis, si vous avez un problème un jour comme moi, que vous avez des paiements plusieurs fois chez Cofidis notamment, au lieu de risquer de demander un découvert supplémentaire ou quoi, bloquez votre carte. Comme ça, ils ne pourront pas prélever. Et du coup, vous serez condamné à payer des frais supplémentaires pour le mois d'après. En soi, vous en branlez. De toute façon, payer... pour un rattrapage, tu vois, le problème avec la CAF. Non. Oui, mais oui, non, mais je sais bien sûr que je serai payé, je le sais. Mais c'est quand, en fait, c'est ça le problème. Parce que oui. J'ai quand même beaucoup de... Comme toujours. J'ai beaucoup de... Si tu veux, j'ai acheté plein de trucs pour mon setup, donc... C'était pas prévu, en fait. Tout était réglé sur... Tout était réglé comme un papier à musique, hein. Tout était prévu. Mais ils m'ont tout niqué, là, les acculés, quoi. Surtout que, bon... Hormis ça... Et c'est un peu l'argent pour manger, quoi. Sans vouloir... C'est bon. Voilà, quoi. Bon, tu me diras juste pour le micro, beau gosse. T'es un livre, là ? Mais c'est bon, le micro. Bien sûr que je suis un livre. Bah, attends, quand même, tu crois que je suis un livre, que je suis pas le livre, quoi ? Oh. Non, mais c'est par nickel, contre, le micro. Je regarde tu as... Ok, bon, bah, je suis content, alors, si tu le trouves bien. Tu vas bien l'aimer. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Par contre, mec, les titres ont vraiment une importance. Sur les lives. Bah oui. Et genre, vraiment. Non, mais je vais jouer avec ça maintenant. Mec, tu sais combien il y a eu de gens qui sont venus sur mon live ? Non, mais tu vas le dire, là. Mais 350. 300, c'est énorme. J'ai 350 lectures. Le convoi de là. Oui. Oh, putain de câble de merde. Tiens, j'en ai marre de ce cœur. Qui marche pour faire venir les gens. Mais mec, ouais, hein. C'est triste, mais ouais. Hein. Putain, mais j'ai mon câble aimanté. Oh putain, Jason, j'en ai marre. J'ai un câble aimanté qui sert à recharger mon micro et je sais pas. Il s'allume, regardez. Il s'allume et quand on le touche un peu, il s'éteint. Vous voyez, il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint. Mais d'accord. Bonjour. Je suis censé faire quoi là pour qu'il marche ce truc de merde ? C'est allumé ou pas ? J'arrive pas à voir. Partons du principe que oui. Bon, ben moi je vais te laisser. Bon, et ben Jason, je te dis à demain. Et ben. Ouais. Et ben, repose-toi bien, hein, ma couille. Hein. 16h, on est à part environ, hein. Essaye d'être là pour 15h retraite, comme ça on a le temps de s'installer tranquillement. Si je suis aussi, il faut que j'aille faire les courses, que j'aille laver. Oh, arrête un peu, Jason. Putain, mais le mec, quand il parle, à chaque fois, on a l'impression qu'il a une vie énorme. Le mec, il va aller acheter 2 sandwichs triangle au super du coin et il nous dit « Oh là, c'est chaud, faut que j'aille faire les courses, oh, là, j'en peux plus, là, hein, je suis au bout du relax. » Ça va pas être trop chaud, mais faut avoir le courage et l'envie d'y aller. Mais tu te démerdes. Sinon, ça se passe très bien, hein. À une heure, c'est bon. Hein. C'est plus... Mais oui, mais vous l'entendez ? Oula, oula, je sais pas, on verra. Hein. Bon, 10 minutes, oula. C'est plié, hein. Non, non, mais demain, si tu peux, comme ça au moins on a le temps de. Non, mais je viendrai. Non, parce que si jamais on se retrouve à 16h, on n'aura jamais lancé pour 16h, c'est sûr. C'est pas l'heure à laquelle je me lève. Eh ben écoute, tu te réveilles à 10h30, 11h, et puis tu vous fais pas chier. Allez, va. Bonne nuit, va. Allez. Bientôt, va. Allez, bisous, va. Comment on fait pour accrocher, là ? Ça marche pas, hein, c'est... Écoute, là, je t'y... Ah, putain. Il est con. Bon.
Ouais, voilà, putain, je le savais. Mais je sais pas pourquoi. Mais chier ! Il y a un trou sur le couvercle de ça. Il y a un trou sur le couvercle. N'importe quoi, lui. N'importe quoi, lui. Point stratégique, renforcez l'objectif, utilisez tous vos sens. La vue, oui, le toucher, l'odorat, et là. Point stratégique confirmé. Yeah. Oh, he fell out of the window. L'ennemi contrôle le point stratégique. Oh, putain, mais heureusement que je peux compter sur Jason, hein. Donnez-moi une cible. Ils ont pris le putain, mec, tu peux pas te mute? Oh, attendez, je vais baisser le son. Ouais, c'est bon, là, vous devez m'entendre, désolé. Mec, coupe ton micro! Ah, crap. Point stratégique confirmé. Ah ouais! Ah ouais! Le point stratégique est actif. Je me fous de sa gueule. Sans que j'ai croyé que je me disais. Non, c'est moi, j'avais coupé sans faire exprès. Lumière. Je vois les couilles. Ça me tue, le mec qui parle, il a son micro ouvert. Eh, parle meilleur, mec. Parle meilleur direct. Arrête de râler, mon gros. Bon, allez, c'est bon, on a bien rigolé, mais il nous casse les couilles. Et putain, mais on est en train de se faire ratatiner là! Wouah! Ce qu'il m'a mis! Point stratégique confirmé. On contrôle le point stratégique. Le point stratégique est actif. Merde! Mais je comprends pas ma souris. Je vous jure, des fois, quand je veux la tourner, je comprends pas. Ça, c'est ralenti de ouf. Je fais n'importe quoi. Pas de soucis, Black Pearl, repose-toi bien. À bientôt. Merci d'être venu. La bise. Contact sur le point stratégique. Oh le... Attends, mais comment il m'a vu? Ce chien là. Ah, il m'a vu un peu en vrai, il m'a vu un petit peu dans le fog. L'ennemi contrôle le point stratégique. Point stratégique localisé. Mais putain, mais. Ah, ils rendent fou là. Ils rendent fou. L'ennemi contrôle le point stratégique. Merde, c'est un mate. T'inquiète, demain je pense. Pas de soucis, Black Pearl. Merci beaucoup. Ça fait trop plaisir que tu sois là souvent sur les lives. À bientôt. On a capturé le point stratégique. Mais putain, mais. Je vais changer d'arme. J'en ai marre de tirer à deux à l'heure. Voilà, toi tu meurs. Non, je meurs. Laissez-moi fight. Point stratégique localisé.
On est en train de se faire exploser. Hein. Point stratégique est actif. Les informateurs communiquent nos positions à l'ennemi. J'en ai marre. On se fait détruire. L'ennemi contrôle le point stratégique. Non mais c'est... Regardez-les quoi. On a perdu un chien. Contact sur le point stratégique. Non, putain, j'avais plus que balles. L'ennemi contrôle le point stratégique. On a capturé le point stratégique. Je me fais... Oh là, c'est une honte, hein. Point stratégique localisé. L'ennemi contrôle le point stratégique. Point stratégique est actif. Non mais, mais c'est une blague! Le point stratégique est pris d'assaut. Bon mais mec, vraiment, putain... L'ennemi a pris le point stratégique. Bombe planante ennemie imminente. Putain, je me fais détruire, je me fais détruire. Ne vous laissez pas faire. Reprenez point stratégique localisé. Tir de mortier allié en approche. Le point stratégique est actif. Merde, c'est un mate. Le point stratégique. Putain. Regroupez-vous et partez. On s'est fait détruire. I'm trying to internalize my anger. Oh là là, putain, il nous pète les oreilles, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, balade romantique. Avec un flamme note. Un flamme note, ils disent. C'est quoi un flamme note? Flamme note. Je sais pas ce que c'est. Avec un flamme. Ah, ça doit être... C'est peut-être une arme secondaire. Non. Alors, c'est peut-être un... une série d'élimination. Oh putain, d'accord, ok. C'est chaud en vrai, hein. Remporter 5 fois le champion de la colline du haut.
Et putain, mais pourquoi il me... J'en ai d'autres là que j'ai pas vu. Bah non. Pif paf pif paf puf. Ouais, on peut faire un champion de la colline en vrai. Hop. Allez, on va se faire ça et puis on va voir ce qu'on fait après. Peut-être aller me coucher après. Ah là là. Passe de combat, il y a des trucs que j'aurais pas du coup. Hein. C'est dommage. Pelleteuse. Là du coup moi je suis niveau 2 prestige 1. Il y a 6 prestiges. Putain, ça en fait quand même, hein. Alors, j'ai une petite mitraillette là. Bienvenue dans Champion de la colline, les amis. Votre équipe a encore un paquet de vies. Si vous perdez toutes vos vies, vous serez éliminés. La dernière équipe encore debout l'emporte. Prenez de l'équipement aux stations de ravitaillement. Alors, qu'est-ce que je vais acheter? Sinon, vous pouvez aussi le ramasser. Ça, c'est pas mal en vrai. Il y en a, ils ont des bonnes armes là. Il est où mon mate? Il est là-bas. Ça commence dans 10 secondes. Allez, let's go. Il y a quelqu'un qui a perdu une vie? Comment c'est possible? Bienvenue dans Champion de la colline. Éliminez toutes les équipes pour l'emporter. Non! It's slow, it's slow. Dunaire, reprenez le combat. Vous avez 10 secondes. Non! Oh, sorry, man. Ah, dommage. Putain, trop dommage. Pouah, ils sont trop chauds, les mecs, là-haut. Nouvelle partie, nouvelle équipe, nouvelles opportunités. Je lance une grenade paralysante.
Re Furious. Merde, c'est mon mate. Putain. Putain, vas-y, ta race là. On se fait détruire. Faites attention, il vous reste moins de 10 vies. Vous avez 10 secondes. L'ennemi a pris vos vies. Je l'ai même pas touché. Oh, je suis mauvais. Terrible. Terrible. On va être les premiers à lose. Allez là, bim. Donnez-moi une cible. Let's go. J'ai trop. Ça fait 10 secondes. Ah, allez. Je suis tellement focus là. Bien. Oh non. GG gars. Bien joué les gars. Je suis trop focus là. Le plein tant que vous pouvez. Alors, je vais changer d'arme je pense, ou je vais l'améliorer. Tracker, ça déjà je prends direct. Tu joues solo? Non, je joue avec un mec, mais il a l'air bon. Enfin, bon. Là, il est niveau 181. Je joue avec un gars, ouais, un random, qui a l'air bien. Et let's go, man. Mais sinon, je joue solo, ouais, entre guillemets. Putain. On va se faire ratatiner, hein. Putain, j'ai paniqué. Ils sont bien plus forts que nous. Moi, je suis vraiment pas aussi fort qu'eux. Attention, plus que 3 vies. Ouais, solo pour moi, c'est avec un random. Ouais, je suis avec un random. Dernière vie, c'est le moment ou jamais. J'ai détruit leur protection. Mais c'est sérieux là? Attends, il m'a mis quoi? Moi j'ai vraiment l'impression qu'il m'a tiré dessus après quoi, ça qui est trop bizarre sur le jeu. Je suis de retour. L'ennemi a pris vos vies. Ah dommage. Mon mate n'est pas si bon que ça, hein, mais bon. Dommage. Je l'attends. Yes! GG mec, il est archi chaud là, le mec avec moi, c'est les...
Il nous reste qu'une vie, mais on se démerde, on se débrouille, on se débrouille. Oh, il en a, ils en ont 7 en haut encore. Si on tombe sur eux, bah on est mort. C'est la fin. J'ai réussi à l'attraper. Donnez-moi une cible. Let's go. Ok. Vous avez 10 secondes. Yes. Je suis ultra chaud là. On peut pas acheter les améliorations pour nos armes là ? Si ? Non ? On peut pas acheter ? Comment on fait ? Améliorer votre arme. Plus que 10 secondes. Tenez bon. Non, vas-y, là je suis bien comme ça. Merde, j'ai pas eu le temps. Ouh, ok, je suis chaud. Mais ma cam elle bug, j'ai l'impression. Il me reste combien de dollars? Armure complète. Avion espion. Mais ma cam est bug, j'ai l'impression. Moi, ouais, j'ai l'impression qu'il y a bug. Ouais, il y a bug. Il faudra que juste après la game là, je vais relancer la cam. On voit qu'il y a bug. On voit qu'il y a bug. Ça saccade un tout petit peu. Ok. Allez, on se concentre. Il faut qu'on tombe contre ceux qui sont derniers là. Oh putain. Avion de reconnaissance ennemi. Les espions envahissent le ciel. Yes, tu gères, mec. Let's go. Elle est hyper cool cette game, hein. On tient de ouf. Avion de reconnaissance ennemi. Les espions envahissent le ciel. Merde! Bordel, je suis cerné!
plus que deux vies. Faites attention. Donnez-moi une cible. Vous avez 10 secondes. Bien, prenez leur vie. Putain. Eh les amis, je suis content là, je vous rose une belle game en vrai. Avion de reconnaissance ennemi, les espions envahissent le ciel. C'est votre dernière. Merde, merde, j'ai fait n'importe quoi. Dernière vie, c'est le moment ou jamais. Merde. Oh non. Oh GG man. Dommage. On a plus de réapparition, mais bon. Vous avez 10 secondes. Oh mais non, on a perdu du coup. Ah dommage. C'était une belle game quand même hein. Votre équipe a été éliminée. Soufflez un peu et reprenez le combat. Troisième place quand même. Et on va quitter la partie. Allez, on va en refaire une, je pense. Hop. C'est 46. Pif, paf, puf. Allez, on va relancer... On va en relancer une. Allez, que la game se lance. On a été bon là sur cette game. En vrai, je trouve qu'on n'a pas été trop mal. Elles sont vraiment trop belles les armes. La dernière encore debout l'emporte. Oh, j'aime pas cette arme. C'est la Thompson, ça il me semble. Bon, quoique. Je vais essayer de la jouer. Hello, guys. Bienvenue dans Champion de la Colline, les amis. Votre équipe a encore un paquet de vies. Si vous perdez toutes vos vies, vous serez éliminés. La dernière équipe encore debout l'emporte. Prenez de l'équipement aux stations de ravitaillement. Éliminez des adversaires, recevez de l'argent. Facile, non? Vous pouvez aussi ramasser de l'argent par terre. Je vais prendre 3 plaques. Allez, hop. Hey my friend. Ça commence dans 10 secondes.
Ouais, c'est Tipar. C'est Tipar. Bienvenue dans Champion de la colline. Éliminez toutes les équipes pour l'emporter. Protection à l'élan de reconnaissance ennemie. Les espions envahissent le ciel. Attention, oh putain. Nique ta race, franchement, vraiment. Le combat est pas fini. Mais c'est la pire arme du jeu là. Putain, vas-y. Ça me saoule, elle est nulle à chier la Thompson, j'aime vraiment pas. Vous avez 10 secondes. Faites attention, il vous reste moins de 10 vies. L'ennemi a pris vos vies. Merde. Oh, ça fait chier vraiment hein. Mon mate il s'est fait tuer 3 fois genre. Nouvelle partie, nouvelle équipe, nouvelles opportunités. Non ! Chier là. Faites attention, il vous reste moins de 10 vies. Mais putain! Vas-y, nique ta race. Nique ta race, vraiment. Ça me pète les couilles. Il vous reste 5 vies. Je suis de retour. Vous avez 10 secondes. Merde. Ouais, ça joue comme des putes de ouf, mec. C'est abusé. Dommage. Je sais pas si tu l'as vu la game d'avant, Ferus, mais on a été grave chaud. Hein. On a failli win et tout. On a fait top 3. Oh là là, on va se faire ramasser. Attention, grenade paralysante. Putain, vas-y, me gonfle lui là. J'ai la pire arme là en plus. Attention, plus que 3 vies. 3 vies, sérieusement là. Oh vas-y, lui il me gonfle. J'ai même plus envie de la jouer, ça, là, franchement. J'ai vraiment plus envie de la jouer. Mais sérieux ? Je spawn à peine ! Ouais, vas-y, c'est de la merde. Il a chier. Il a un snipe, le gars ? Ah non, il a une espèce de... Oh putain, ça m'a saoulé. Vas-y, on va faire un... tête à tête ça déjà. Ouais vas-y on va faire un tête à tête. Ça va tirer dans tous les sens là. Sympa le mode tête à tête, ouais ça a l'air cool. Ça tire dans tous les sens, ça bouge. J'espère juste qu'on va pas voir la map que je déteste là, j'ai oublié le nom. Das House je crois, elle s'appelle. Das House. Hello guys. Ils sont tellement haut niveau. Numa Numa, avec les petits cœurs. C'est marrant. Oula, oula, oula. Merde. Des obus, à couvert. Reconnaissance hostile. Les espions envahissent le ciel. Merde, merde, merde.
Putain, je sais pas où ils sont, ça m'énerve. Je viens d'arriver là, je sais pas où ils sont. Ouah, mais sérieux là ? Il a même pas tué l'autre ! Attends, attends, il y avait un mec devant lui, il a même pas tué. Non, oh, elle est pas petite celle-là en vrai. Hein. Mais je sais même pas où il est. Oh là là, il était sur l'arbre. Salut Vac. Salut mec. Ce chien là, il est où? Il est dans l'arbre. Nouveau renseignement disponible. Il a pris la première place. Conservez-la. Ah, attendez. Oui? Les guys, on m'appelait. Ça te dit un V1 ? Non. Non, non. Ça m'intéresse pas plus que ça parce que je vais. À tous les coups, t'es un mec ultra chaud. Je suis pas du tout un gros joueur de Call of. On a pris l'avantage. Nouveau renseignement disponible. Colis stratégique en livraison. Ils sont à bout de force, continuez! Merde! Nique ta race, toi, tu montes pas là-haut? Colis stratégique ennemi en approche. Reconnaissance dans les airs. Mortier prêt à faire. Dommage. Attention, vos alliés au demandé. Dommage, dommage. Bombe planante en soutien. Se fait devancer les. Wow, wow, wow. Colis allié en approche. Putain, 11-6. Ah, dommage, ça s'est joué à pas grand chose. Bon, je suis arrivé tard dans la game aussi. Oh putain, elle est stylée cette manière de tuer là. On va voter pour elle parce qu'elle est stylée. Et en plus il a 34 kills. On va relancer une petite game, hein. Tranquillou. Je pense qu'on va en faire encore une ou deux et je vais aller me coucher après. Parce que je suis un peu fatigué. Hello guys. Hello. Eagle Nest, le nid d'aigle. Allez, let's go. C'est parti. On va jouer... Ouais, là, on va jouer la STG. Élimination confirmée. Abattez tous les ennemis.
Les choses vont se corser, mais pas de marche arrière possible. Élimination refusée. Merde. Oh le bâtard! Faut que j'attrape vite avant qu'il fasse un carnage. Élimination refusée. Mais c'est pas fini. On a perdu la première place. Ah oh, putain merde. Oh putain, bien joué. Il était accroupi. C'est n'importe quoi. Encore une élimination confirmée. Beau boulot, celui-là. C'est n'importe quoi. Oh dommage. Donnez-moi une cible. Attention, bombe planante ennemie en approche. Reconnaissance hostile. Les espions envahissent le ciel. Putain, mais lui il joue accroupi constamment en fait. Mais oh là là, ça nous spawn dessus, c'est n'importe quoi. Merde, j'ai vu le chat de Twitch. Ah, je regardais pas. Merde. Je savais qu'il m'avait vu l'enfoiré, il était dans le coin là-bas. Oh putain. Mais what? Oh là là, mais le carnage! Élimination refusée, ne baissez pas les bras. Oh putain, j'en ai marre, je vais essayer de le cuter. Oui, ben on fait ce qu'on peut, d'accord. Reconnaissance dans les airs, à l'œil. Donnez-moi une cible.
putain. Le carnage, le carnage, le carnage. Élimination refusée, soldat. Continuez. Les alliés envoient une bombe planante. Putain, dommage. Dommage. Coup dur pour le joueur français. Ouais, on va en faire une dernière encore. Ensuite, je pense que je vais aller me coucher. Oh, mais lui, il joue vraiment comme ça. Oh putain, mais il y en a vraiment. Ils ont aucune, ils ont vraiment des aucune race. Hein. Mec, il joue le Panzer, je sais pas quoi là. Panzer Shrike. Au corps à corps, quoi, putain. Allez. Une petite dernière. Alors, qu'est-ce qu'il me propose à l'armurerie ? Qu'est-ce que j'ai de gagné ? Bah rien, visiblement. Ah mais merde, c'est là. Hello, guys. Ouais, on va jouer la STG 44. Et là, ils ont des skins trop jolis. Hein. Match à mort par équipe. Wow. L'entraînement, c'est fini. Wow, comment ça a bugué. Donnez-moi une cible. Nouveau renseignement disponible. On n'est plus en tête. Reprenez-vous. Oh le bop. Oh là 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 là, mais la vie quoi. La vie. Hostile. Les espions envahissent le ciel. Allez, nique ta race. J'espère que t'es calmé, mec. Dommage. Oh là là, le carnage. J'arrive pas à avancer. L'ennemi a envoyé des bombardiers. Oh là 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 là.
Il s'appelle comment lui? Peintre éventuel, putain. Faut que je l'attrape lui. Colis allié en approche. Oh, allez, vas-y, 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 fonce, fonce. On est en tête. Reconnaissance hostile. Les espions envahissent le ciel. Non, mais vas-y, gros, sérieusement, là. J'envoie des obus de mortier. Reconnaissance hostile. Les espions envahissent le ciel. Oh putain, je savais pas où donner de la tête. Je ne savais point où donner de la tête. J'ai servi à rien. Attention, vos alliés ont demandé un bombardement. Crève. Merde. Allez, allez, on win là. Vous les massacrez. Les alliés envoient une frappe aérienne. Allumez-les. Oh, vas-y, vraiment là. Putain, le mec avait 2 HP quoi. Merde. Ok, nice. Bon, ça va, je fais 19-15. Y'a pire. Bien joué. Bon bah nice. Bon bah du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui les gars, je pense. Ouais, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon du coup les amis, merci beaucoup d'avoir regardé ce live, je vous dis à demain pour un nouveau live. Je serai en live normalement à partir de 16h avec Jason pour du Minecraft. Le soir on sera avec Wall, je sais pas trop ce qu'on fera, on verra. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi le live. Pour tous ceux qui aiment bien ce que je fais et tout ça, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me sub sur Twitch si ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à demain, c'était pas Minecraft, dormez bien, ciao.